this is Ken Booth, and you're listening to Party Time Radio. Don't move the dial. Ding! Yeah, Mr. Big up Party Time Radio from France. And me say, yeah, Paris City, Mr. Lodge. Big original Party Time Radio playing the best in music. Reggae music. Where me come from? Party Time 106.3 FM every Sunday 10 PM to midnight. Baddest radio show. Alba Rosie there. Party time at the wickedest. Yes, sir. Bless all of the beaters. A warm welcome to everyone listening to the Party Time with the voice of Tyrus Riley. Singy. Well, musically inclined. Every Sunday, hey, 106.3 FM is a blessing for them. See? Party time. Listen to me now. This is Gabriel speaking. Right now, it's all about Party Time. 106.3 FM. Paris, number one reggae show. Party Time Radio. Every Sunday. Yeah, keep the fire burning. Down, 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 et un grand bonsoir à toutes les auditrices, tous les auditeurs bien connectés sur les ondes du 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. C'est parti, 22h minuit, c'est parti pour 2h de reggae non-stop, voire plus. Sur la bande FM, bien sûr, jusqu'à minuit. Juste après, ça sera la suite des programmes de fréquence Paris pluriel. Et vous êtes bien connectés également sur Internet par le biais du fréquence Paris pluriel, j'allais dire. Partytime.fr, bien sûr, avec l'audio, la vidéo et le chat en direct. Big up à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous avez des pages de réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook et d'autres pour nous suivre, comme Twitter aussi, pour nous suivre en direct tout autour de la planète. En tout cas, mets-toi bien, mets-toi cool, tu connais la formule, c'est 2 heures de reggae music. Ce soir au programme, vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique est de retour dans les studios de Partytime, les bras chargés de cadeaux. Il y a des sculptures, il y a des livres, il y a des disques avec Atomic Split et le groupe qu'on reçoit aussi de Montpellier, Iry Jazz. Bien sûr, Judah et moi, on est là pour vous ambiancer. Comment ça va, Juju? Ça va, au top. J'étais perturbé, je regardais Chica boire une bouteille de Coca Light cul sec. Bah ouais, ça arrive. Voilà. Hein. Et je t'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Donc une bouteille de 2 litres en plus, en 3 gorgées. Tout à fait. J'ai franchement... Sacré gosier. Il y a du sacré level. Gosier. D'ailleurs, à ce sujet, t'as un petit message à faire passer, me semble-t-il. Oui, avant tout, je vais présenter quand même le reste de l'équipe et après, je ferai une spéciale dédicace à quelqu'un. T'inquiète pas. Moi, je suis pas inquiet. Le reste de l'équipe, donc, Chica et Mathia, bien sûr, fidèles au poste pour assurer la technique, le son et l'original Tonton Number One. Et qui est le cascadeur, l'homme qui tombe à pic. Flo, ce soir aussi à la technique vidéo. On en place une pour Judas, pour Tarzan, pour Lizou, pour tout le reste de la Party Time Family. On en place une pour Hakim Sassi et Monsieur Fifi aussi qui sont là dans les studios. Et donc une spéciale dédicace en souhaitant un happy birthday à Monsieur Daddy Rob qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Daddy Rob, c'est ça. Monsieur Daddy Rob, il sera content. En tout cas, on pense à lui. Et voilà, sacré joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe à Monsieur Daddy Rob. Et est-ce que tu sais pourquoi il ne resta pas debout? Parce qu'il est en robe. Non, parce que Hakim Sassi. Hakim Sassi, c'est le pote à Sanchez. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est l'histoire du tabouret voilà. Fou. Également de la famille de Vauban, pour exactement. Ceux qui connaissent l'histoire de France un petit peu. Voilà, merci. C'était la minute culturelle qu'on retrouvera un peu plus tard aussi pendant l'émission. Avec notre ami Judah, bien sûr, il y aura les news, singles, albums, compilations et plein d'autres choses à retrouver. Il y aura l'agenda, il y aura bien sûr le chat à retrouver aussi avec peut-être les questions en direct pour nos invités. Oui, Judah? Oui, c'est ça, le chat. Voilà. Non, c'est... Il me coupe pour non, je voulais en placer une spéciale. Vas-y. Pour Pierre-Paul Jacques en ce début d'émission qui est incarcéré. Donc voilà, donc de la force à lui. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez demander l'adresse qu'on vous communiquera ici ou sur la page fan de Pierre-Paul Jacques pour lui écrire dans son centre de détention. Donc n'hésitez pas à lui écrire et surtout ceux qui écrivent, mettez une lettre timbrée qui puisse vous répondre. Voilà. Exactement, une grosse pensée pour M. Pierrot. Voilà, reviens-nous vite et après on refera la fête comme avant. T'inquiète pas. Donc voilà, au programme ce soir, Atomic Spliff pour nous présenter leur nouvel album Robot Muffin avec tout un concept autour, une BD, il y a un single vinyle, il y a plein de choses à retrouver. Et le groupe qui nous vient de Montpellier, Iris.
Louis Jazz. Le tout dans la bonne humeur pendant ces deux heures, voire plus, sur la bande FM. Mets-toi bien, mets-toi cool, c'est le party time qui roule. On commence tranquillement, Mathia, rien de spécial à dire. On commence tranquillement en musique avant de retrouver les premiers invités et l'agenda dans quelques minutes. Mets-toi bien, mets-toi cool, c'est le party time qui roule. Raindrops keep on falling down. But it keeps calling. Yes, the rain keeps falling, and my body is calling. Calling for you, baby. Hey. Calling for you, baby. Life is just for living, love is what I'm sharing. Life is just for living, love is what I'm giving. Yeah. Giving to you, baby, yeah. Sharing with you, baby. Body keeps calling. Yes, the rain keeps falling, and my body is calling. You're my one and only. I don't wanna be lonely. You're my pride and joy. We were meant to be. Life is just for living, love is what I'm giving. Life is just for living, love is what I'm sharing. Sharing with you, baby, baby. Giving to you, baby. Message d'actualité aujourd'hui, Rain Keeps Falling, avec l'homme qu'on appelle Johnny Clark sur le label Mongo's Hi-Fi. Production Mongo's Hi-Fi et sur le label Scotch Bonnet plutôt, histoire d'être plus précis. On enchaîne avec Courtney John. Le morceau Yes We Are, bien connecté sur Party Time 106.3 FM, www.partytime.fr. Keep connect. Yes We Are. We'll be right back.
Party time, playing all the hits from day till night. Yes, the number one, it's party time. Big up on yourself, on around the town. Your ear, France Massive. This is Alex Biez, straight from Barcelona, representing the CM Song Band, King Our Son, you don't know. Big up, party time every time, 106.3. Your ear. Straight from Barcelona, Monsieur Alex Bass. Not like a sweet rock steady beat to make you know how I feel. Maybe you don't trust in me, but I love you from your head to your feet. On vous fait découvrir le premier single du futur album de Monsieur Alex Bass. Celui-ci s'appelle My Shining Star. Bien connecté sur Party Time 106.3. Reste bien calé, pousse les basses, réveille les voisins. You know it wasn't easy. But the hard time's gone. So please forgive me if I did something wrong. I can see it clearly. You are my shining star, lighting up my road in the darkest night. Yes, I know that you are my shining star. Something wrong. I can see it clearly. You are my shining star, lighting up my road in the darkest night. Yes, I know that you are my shining star. Yes, I party time thing. Special dark play to see. Oh, up and way. Yeah, me I tell you, we are ready, we ready. Yes, I. Alright, we are comping round things today. Reggae music, we are playing now. Listen. Today, party time, lady, party top. Spinning some party special. Special dub plate, Mr. Alex Bass again. Yeah, me I tell you, we are ready, we ready.
Ça, c'était extrait de son ancien maxi. C'était bien le nouvel album qui arrive très bientôt. On vous en parlera dans les semaines à venir sur Party Time. Keep connect. Today party time, lady on the top. Special. Name of France, come follow me. Today party time, lady on the top. Spinning somebody special. Today party time, lady on the top. Playing in the name of Jah. Long time playing reggae music. Wait. Long time teaching things for the island. Oh well. Long time spreading Jamaican beats. So that's why other side feel listen to party time. Now them around things every night, yeah. Today party time, lady on the top. Spinning somebody special. Today party time, lady on the top. Playing in the name of France, come follow me. Today party time, lady on the top. Spinning somebody special. Toujours bien connecté, 106.3 FM, www.partytime.fr. Voilà, c'était la première partie avec une petite sélection musicale du moment. Vous retrouverez la playlist, bien sûr, sur le podcast dès demain sur le www.partytime.fr et sur les lecteurs sur Internet. On commence tout de suite l'agenda sans transition. Plus de renseignements concernant les visuels et les dates à annoncer sur le www.partytime.fr, rubrique Flyer Agenda, en bas à droite de votre écran, en coulissant un peu avec la souris. On commence tout de suite le vendredi 5 mai avec la nouvelle édition de la Robado Party de Soul Stereo. C'est la 32e exactement et c'est toujours de 23h30 à 5h30 du matin jusqu'à le 19e arrondissement du côté de la Villette au Cabaret Sauvage, exactement juste derrière le Zénith dans le parc de la Villette pour la 32e édition des Robadop Party de Soul Stereo en partenariat avec le Cabaret Sauvage. Ça va du reggae, Oska, Rocksteady, Robadop Digital, Dancehall, Hip Hop, Dubplate avec le Soul Stereo, Fata, Tarzan et Rico sur scène. On continue le samedi 6 mai, cette fois-ci on revient du côté de Nantes au Hangar à Bananes, au rond-point, exactement avec le son qu'on appelle Trust and Right, avec les soirées Busty Dance, c'est tous les premiers samedis du mois, c'est la nouvelle édition, le samedi 6 mai, bien sûr de 22h à 3h30 du matin, samedi 6 mai au rond-point du côté de Nantes pour les nouvelles éditions des soirées Busty Dance. On continue avec un groupe que j'ai été voir cette semaine du côté de Blanc-Ménil. Cette fois-ci, ils seront le 7 mai au Nouveau Casino de Paris à partir de 20h. C'est le groupe AKE BK, a.k.a. Midnight, avec à 90% la même formation. Avec bien sûr Propaganda et tous les autres hits de Midnight à retrouver avec cette nouvelle formation. Donc le dimanche 7 mai à partir de 20h au Nouveau Casino à Paris. Et si vous rentrez à l'heure, vous serez pile poil pour Party Time à partir de 22h, bien sûr, une fois rentré chez vous. On continue le 10 mai, cette fois-ci à la Cigale à Paris. Le retour de Toots and the Metals avec spécial guest à la Cigale à partir de 19h le 10 mai prochain. Monsieur Toots and the Metals sur scène à retrouver d'urgence. On continue aussi le samedi 13 mai. Cette fois-ci, nouvelle édition des Rastas du Cœur. Ça se passe à Lille aux Planches du côté du Mans avec toujours l'entrée 5 kg de denrées alimentaires. Pour assister au concert, bar et restauration sur place à partir de 18h jusqu'à 1h du matin. Et sur scène, gros line-up cette fois-ci, Generation, Give and the Aura, Sound Dynamic, Natural Mighty, Lyrically avec Maracuja Family, DY, Five Disciples, Crew et encore plein d'autres invités sûrement pour faire la fête tous ensemble pour les plus démunis avec l'entrée à 5 kg de denrées alimentaires. Big up Taleb, Hakim Sassi et toute l'équipe des Rastas du Cœur, on pense très fort à vous et c'est la prochaine date, donc le 13 mai à partir de 18h jusqu'à 1h du matin avec Generation, Give and the Aura, Sound Dynamic, mon groupe, Natural Mighty, Lyrically, DY et plein d'autres artistes à retrouver. On continue toujours le 13 mai, cette fois-ci on va dans le nord, du côté de Lille, au Zénith Arena, et il y aura la nouvelle édition des Reggae Party Live Tour avec sur scène Tonton David, Princesse Erika, Naughty, Daddy Mori et les Negmarons. Grosse date à annoncer du côté de Lille le 13 mai prochain avec Negmarons, Tonton David, Princesse Erika, Naughty et Daddy Mori, le tout organisé bien sûr par toute l'équipe de Dan que je big up au passage.
On continue bien sur l'agenda avec cette fois-ci le vendredi 19 mai au Cabaret Vauban. Ça, c'est en province avec Rico de Soul Stereo qui rencontre Bobos et One Mission Sound. C'est de 23h à 4h du matin. C'est du côté de la Bretagne au Cabaret Vauban, exactement le vendredi 19 mai avec Soul Stereo, Bobos et One Mission. Le reste de l'agenda, ça sera la semaine prochaine dans la rubrique. On va finir avec les dates annoncées par Judas concernant notamment le Blues Party. Ouais, bah là ça concerne pas, enfin plus ou moins, mais plus un ou moins, petit peu, si un petit peu quand même, faut bien le dire. Voilà, excusez-moi, c'est parce que non mais je l'avais le truc, je l'avais plus, je suis en train de faire un autre truc en même temps parce que je taguais tout le monde, je faisais un peu de com. Alors, bah oui, non, mais bien sûr, je suis en train de tu mettre... Tu sais qu'on est en pleine émission, je sais, je sais, soir. Mais c'est pour ça, j'ai tagué les dessins faits par Atomy Spliff, donc je cherchais le nom de Monsieur Stoneman, tu vois, voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remarque que c'est marrant, parce que Stoneman, donc quand on parle anglais, on peut l'interpréter parce que tu as un certain penchant pour ce qu'on sait, ouais. Mais en même temps, t'es tailleur de pierre, Stone. Voilà, c'est ça. Bon, on va en bref, parler de toute façon avec eux. Hein, donc le samedi 6 mai, il y a la génération 80, Team Rétro. Alors ça, c'est une soirée un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle un petit peu les soirées zouk. Donc c'est pour les gens comme Francky qui aiment bien un petit peu danser collé serré. Oh là 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 là, choc on la boise. Voilà, qui connaissent bien les pas de danse et tout ça. Oh oui, voilà. Les tabourets. Donc avec Daddy Yod, Shrek Daddy Yod en showcase. Donc le truc, ça s'appelle My Boat. Donc j'imagine que c'est un bateau, hein, vu le nom. J'ai pas été vérifié. Je pense, ouais. Voilà, My Boat, je pense que c'est un bateau. Voilà. Et c'est où? C'est Parc de la Villette, 20 avenue Jean Jaurès dans le 19e à Paris. Et voilà, il y aura aussi également DJ Alan, Caprison et Concrete D. Et voilà, ça va être très très zouk, rétro, mais un petit peu de dancehall aussi forcément. Mais c'est avec Daddy Yod. Voilà, avec Daddy Yod, ouais, plus en mode zouk. Zouk, ça casse. Voilà. Une autre date à annoncer concernant le Blues Party, non? Ouais, dimanche prochain, on remet ça, il y a le bal des vieux. La Old People Dance, voilà, sur la péniche, la Grande Fantaisie. C'est une très belle initiative. Paris 19e, de 14h à 18h. Fifi, on t'attend. Fifi, les mamies, elles m'ont déjà appelé. Fifi, les mamies m'ont dit, on épais ça, on a mis nos trucs de ouf, attention, on va être sexy gal. Tu as des cougars. Pour l'homme Fifi, quoi. Donc Fifi. Maintenant que j'ai 40 ans, je peux venir ou pas? Ah bah ouais, mais toi, évidemment, toi, tu rentres gratuit là-bas, ouais. Tu sais bien. Pas de galère, t'inquiète. Bon, la carte. Il a sa carte déjà. On t'a mis une taille-bout, t'inquiète pas. Non, mais très belle initiative en tout cas de diffuser du reggae. 14h, 18h. C'est pas que reggae, hein, parce qu'on peut pas non plus les rendre ouf, mais effectivement, on joue du reggae. On joue beaucoup de zouk, parce que le zouk, ça se danse à plusieurs, donc eux, ils aiment bien les personnes âgées. Voilà, quoi, il y a un petit peu de tout. Eh ben, c'est très bien. Voilà, notamment le morceau de Tonton David, ma number one, qui fait fureur à chaque fois. Je tiens à le préciser, bah évidemment, bien sûr. Voilà. Et un petit peu Bob Marley, ça marche bien aussi, quoi. Bon, bah, il en faut pour tout le monde et c'est bien, au moins tu fais mais bien le travail. On t'attend, Francky. Tu diffuses. Oh là là, non, hein, je suis pas. Si tu veux venir prendre un peu prendre le mic, pourquoi pas, hein. Moi je dis ça. Pourquoi pas? Bah attends, bien sûr. I'm only human, hein, on verra ça. I'm only human after all. Hein. Non, mais attends, ça serait bien quoi. En plus, tu l'as custom. I'm only old man after all. Bon, on en parlera hors micro. On a une émission à gérer quand même demain de maître. Hein. Excusez-moi, reste... et pas des moindres. On est à bord du navire. Dans quelques secondes, dans quelques minutes, voire, on va retrouver Atomic Spliff, Daddy Cookies et Monsieur Stoneman pour parler du nouvel album, de la nouvelle BD, des nouveaux stickers et de tous les projets qui arrivent. Oui. Ah, j'ai oublié une date, putain. C'est mercredi, il y a l'anniversaire de Princesse Erika. Je vais aller jouer un peu de son là. Donc, c'est le restaurant qui s'appelle La Joya, c'est rue de Rivoli, j'ai pas l'adresse exacte, mais c'est ouvert au public. Donc, ceux qui veulent venir souhaiter un bon anniversaire à Princesse Erika, eh ben, c'est mardi soir, mercredi soir plutôt, à partir de 23h, La Joya, rue de Rivoli. Voilà. Merci pour l'info. De rien. On continue tranquillement l'émission avec un peu de sélection avant de retrouver Atomic Spliff pour la sortie de leur nouvel album Robe Muffin. C'est tout de suite dans Party Time, mets-toi bien, mets-toi cool. À venir aussi le groupe Irie Jazz. Mama used to tell me have your own things. No borrow nor beg nobody thing. But sorry mama got the borrowing. Work out better than the owning, so I'm done with the stress, done with the lies, done with the drama, I'm done with the wife. I realize me not really need to own a man. All me need is a loaner man. Say, how me want a somebody man for borrow when me need like loving and yeah. Just a little conversation. What's up in my few picture and yeah. Me no want no man for myself. Them they think they no good. On a continué sur le Reggae Fest Redeem. Et juste après l'assistant qu'on appelle Cécile, on enchaîne avec la douce voix de Tyrese Riley. She wants to be like them people on TV.
Just the way you are. She wants to look like Reggae Fest Redeem. Girls in the magazine. She got big dreams. She see herself on the big screen. Vous êtes bien connectés sur 106.3 FM. La radio s'appelle Fréquence Paris Pluriel. L'émission c'est Party Time. Absolutely, I love you just the way you are, girl. You don't have to change, you don't have to do a thing. No, just the way you are, girl. If you put on a powder, if you take off a boat. Just the way you are, girl. Wake up with no makeup, we not break up. Just the way you are, girl. In my eyes, just the way you are, girl. Monsieur Tarus Riley pour toutes les ladies à l'écoute. I looked upon your faces like the eye being dumb. Don't keep it from me, tell the eye. Et on n'a pas le temps, donc on enchaîne. Monsieur Chris Martin, Still Away. I ran into a girl from my country days. She had my little heart floating. She lived up the road from the church I went to. She was the prettiest thing. For my ladies, she migrated to New York. I was just 13. I was in love, so I kept in touch till I was about 16. Now 10 years, 6 months, 30 days. She said, wow, you've been counting. I said, baby, a long time I've been waiting on you, darling. And I'm still away, still away, still away. I said, I still await, still await, still await on your darling. I said, I still await, still await, still await, still await on your loving. I said, I still await. Reggae Fest Redeem, Still Await avec l'homme Chris Martin. On enchaîne directement avec Jess Royal. All the face. You don't say. Now for them only member Joe in trouble packing up. Couldn't find the time to pray when them was stacking up. And now them comments every need a little tapping up. Every collect call cracking up. But Joe will never take you to what he can take you through. So all of it, the whole of it, Shalom's along. Oh yeah, yeah. Joe will never take you to what he can take you through. So all of it, the whole of it, Shalom's along. Yeah, yeah. Always stay above the influence. Never be afraid to follow your conscience. Practice diligence and also persistence. Cause you're twice defeated without confidence. Dark clouds won't last forever. But sometimes man's faith must be measured. Jah not always give you what you prefer. But it is always for the better. Jah will never take you to what he can take you through. So hold the faith, hold the faith, Shalom, Salam. Yeah, yeah. Jess Royal avec le morceau All the Face. Toujours sur le Reggae Fest 3D, on enchaîne directement avec High Octane. So I forgive thanks to life and not the most I live it. High Octane of a sentence. Thank you, Father. Ultimate. From. As me rise at the most I me hail up. Me no care if my clothes them tear up. Me one room, I sing fence nail up. But me free and enough man catch up. Boy, man go through life real rough. And I'm on no for we no get no peace stuff. Yet still we ain't giving up. We are gear up, darker clothes soon clear up. What a joy for your life, thank your Father. Boy, what a joy for your life, praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life, we praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life, we praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life. Every day we rise and we break and we know the settings. In life they are so we count the blessings. Whether we have it or not, food in a pot. Judge how we won't forget him. Time rough now, but just serve God and live. People out there have it worse than that way. Enough and complain, but them need to wake up and say, what a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life, we praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life, we praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life, we praise the Father. What a joy for your life, thank your Father. Oh, what a joy for your life. Jah make we free like birds. Birds sitting at the treetop. Hey, we feel like birds. Birds sitting at the treetop. Hey,
sitting on the tree top. Yeah, yeah, we free like birds. So we free like birds. What a joy for your life. Thank your father. Oh, what a joy for your life. We praise the father. What a joy for your life. Thank your father. What a joy. Joy for your life. We praise the father. Monsieur High Octane sur le Reggae Fest Redeem. On était sur la première partie d'émission avec la sélection du moment et le petit agenda. Et maintenant, on passe à la section interview avec le premier groupe de la soirée, Atomic Spliff. Et Judas et Frankie au contrôle de l'interview. Exactement, ça nous fait plaisir de les retrouver. On les avait reçus il y a à peu près 2 ans. Peut-être pas jour pour jour, mais mois par mois, à peu près mois pour mois. C'est plus large. Tant que c'est pas année par année, on est bien. On est bien. Ouais. Ils étaient venus pour leur premier album, leur première BD et tout le concept qu'il y a autour. Entre temps, le concept, eh ben, il a fait de la route. Il a fait de la route. Ils ont écumé les plus grands festivals d'Europe, les plus grandes scènes de France et de Belgique. Et ils sont de retour depuis le mois dernier avec un nouvel album dans les bacs en téléchargement légal et bien sûr en format physique avec la BD qui va avec, les stickers et tout le tintouin. Le groupe Atomic Spliff qui nous viennent de Liège en Belgique, Daddy Cookies et Monsieur Stoneman. Comment ça va les tontons ? Yes, ça va man. Ça va très bien et vous ? Cool. Eh ben, comme d'habitude, nous on est toujours là fidèles au poste et ça fait plaisir de vous recevoir. Et Daddy Cookies qu'on pourrait traduire en français par Papa Gâteau. Exactement. Finalement. J'aime bien, j'aime beaucoup ce nom. Toi, t'aimes bien les traductions, toi. C'est important les traductions. Tu travailles pour Google Trad. C'est important les traductions. Non, non, c'est Google Trad qui s'est inspiré de moi. Parce que moi, ça fait longtemps que je fais des traductions diverses et variées. J'ai commencé par français verlan, verlan français. Et puis, j'ai un petit peu développé après, quoi. Bon, les gars, ça va, vous êtes en forme ? Ouais. Ouais, la frite. On pète la forme. Ça commence. On a le paquet de frites. C'était obligé, les gars. On lui avait dit non, la fais pas. Mais c'était inévitable. Il nous l'a fait il y a 2 ans. C'est un feu follet. On peut pas trop le driver. Quoi. On adore. Bon, nouvel album disponible depuis le mois dernier. C'est ça. Robot Muffins. Yes. Tout un programme. On va en parler. On va écouter cet album, du moins quelques extraits. On va vous retrouver en live à la fin de cette interview. On commence tout de suite par le titre éponyme. Ça fait 54 points au Scrabble. Le titre éponyme de cet album, Robot Muffins, avec le morceau du même nom, donc. Yeah. Éponyme, tout de suite dans Party Time. Et on commence l'interview avec Daddy Cookies et Monsieur Stoneman. Jusque là je suivais, je comprends plus rien. Bah, tu seras perdu pendant quelques minutes encore. Robot Muffins tout de suite dans Party Time, le groupe Atomic Spliff. Atomic Spliff. C'est deux ans qu'il est SD1. Il a des Robot Muffins style. Alright dude. Stick it a dang 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 dang. Boom ya. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Not be a Babylon, not transforming les hommes en machine. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Ils ont enfermé nos libertés derrière des codes. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Nous on a quitté le système, on rentre dans leur combine. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Again. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Robot's time. Ma machine va travailler pour le système. Je me l'élève tous les matins pour rejoindre ma chaîne. Y'a pas de problème du moment que ça ramène pour ma nouvelle télé et mon nouveau GSM. C'est rouille, métro, boulot, dodo. J'ai plus de sentiments car je suis un robot. Non, non, non. J'ai une cuisse dans le cerveau. On me l'a placé quand j'étais dans mon berceau. Puis un jour, j'suis passé à côté d'une scène. Ça jouait du dub dans un sound system. Quand la basse boom, a fait vibrer mon antenne. Mon disque dur a fait un pull-up. J'ai quitté le système. On a voulu me formater mais aujourd'hui c'est fini. J'suis une machine à tosser, programmée à l'infini. Je rentrerai plus jamais dans les rôles qu'on m'a définis. J'suis un robot muffin, appelle-moi Cookies, t'as vu. Opération Robot Muffin. Alright, dude. C'est deux autres à stick it a dang 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 dang. Rubber muffin, but this a rubber muffin. La vie à Babylon a transformé les hommes en machines. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Ils ont enfermé nos libertés derrière des codes. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Nous on a quitté le système, on rentre pas dans leur combine. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Rubber muffin, but this a rubber muffin. Appel à la matrice, nous avons 2 cyborgs égarés. Lancement de l'opération Robot Muffin, formatage de disque dur. Babylone m'avait programmé, sans conscience mais pour tuer tous ceux qui auraient pu les gêner. On me demandait où de les éliminer. Puis je me suis fait rafistoler.
par des rastas qui m'avaient capturé. J'ai ce corps qu'ils m'ont implanté. Ma conscience s'est réveillée. J'ai changé de style, changé de côté. Je pars en bataille, je suis un guerrier. Y'a trop de caméras, tout le monde est contrôlé. Pour le riche à le pauvre, y'a pas de liberté. On t'a manipulé en te faisant paniquer. T'es tombé dans la fosse et tu peux pas remonter. On va t'aider et te reconnecter. Opération robot me fin terminé. Cybermicro, cyberplatine. Right. Le morceau Atomic Spliff de Atomic Spliff, Robot Muffin, pour annoncer ce nouvel album disponible depuis le début du mois en téléchargement légal, bien sûr, et en format physique, avec le CD qui va avec, que je vous montre à l'antenne, bien sûr. Ça apparaît déjà grâce aux mains de génie de Flo à la régie vidéo. Check de Flo. Mais en tout cas, on a l'album bien présent dans les mains avec le single, la BD, les stickers, et bien sûr, ils sont pas venus les mains vides comme à chaque fois l'année, il y a deux ans, c'est moi qui avais eu ma petite sculpture en pierre. Et ben cette année, c'est Judah. Voilà, te voilà gratifié de ton cadeau de la part d'Atomic Spliff. Big up Judah. Et merci Chica aussi qui a sa statuette. Attends, on la montre. On va la montrer. Alors justement, aussi. Je trouve celle de Chica encore plus ressemblante. Voilà, c'est vraiment le même cochon. On reconnaît bien son nez quand même, je trouve. Voilà. Ouais. Voilà. Même forme de tête. C'est ça. One love, Chica. En tout cas, voilà, ça, c'est les différentes cordes que vous avez à vos arcs dans le groupe Atomic Spliff. Non seulement des artistes de scène et de studio, mais en plus des illustrateurs, avec une BD qui est disponible aussi dans tous les bons réseaux. Ça, on va en parler. Un comic book. Et en plus, sculpteur. Ça fait beaucoup de choses. Moi, et justement, ouais. J'avais une petite question en préambule. Parce que... Il y avait une question même d'auditeur. Il demandait la matière dans laquelle c'est sculpté. Alors, on allait en parler plus tard dans l'émission, dans l'interview. Excuse-moi, tu parlais de sculpture. De sculpture. Alors, voilà, première question. Ah oui, il y a deux ans, t'avais dit en béton. En béton, ouais, j'avais dit en béton. C'est en pierre bleue, la pierre bleue belge. Voilà. Le petit granit. Blue stone. Parce que voilà, nous on vient de Belgique, donc là-bas on a une pierre comme ça, une pierre bleue, un granit. On peut préciser la ville un petit peu d'origine, parce que c'est grand la Belgique. Bah, la pierre, elle vient des Avins. Non, mais votre ville à vous d'origine, je veux dire. Moi, c'est Namur. Voilà. Lundi, c'est Liège. Voilà, c'est bon ça. Vous savez comment ils te l'ont dit? Vas-y, fais-la, ta blague sur Liège. Non, je n'ai pas de blague. Non, je l'ai déjà faite. Je ne suis pas comme toi, quand je la fais, je la fais. Voilà. Je la donne aux gens, voilà. Voilà. C'est pour moi, c'est gratuit, les gars, c'est ma tournée. Et c'était entre nous. Non, pour qu'il y ait un petit bonus quand même, mais on ne la refera pas à l'antenne. Bon, on ne va pas revenir sur la genèse du groupe. On en avait parlé il y a deux ans pour la présentation du premier album. Entre-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de scènes, de rencontres, de différentes aventures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, concrètement, pendant ces deux ans? Bah, on a un peu fait tourner Ras Attack, l'album qu'on avait présenté chez vous. Qui a eu un bon succès d'estime. Ouais, c'est ça, on a eu la victoire du reggae sur reggae.fr. Révélation de l'année. Révélation, album Révélation, ce qui nous a, je pense, ouvert un peu les portes au niveau de la France. Donc on a pu un peu s'exporter avec notre truc. On a fait la tournée des plages du reggae Senska. On a pu un peu propager Atomic Spliff en dehors des frontières. On était plus en France qu'en Belgique. Ils râlaient sur nous un peu, les gens là-bas. Ils ont dit, c'est à un moment donné. On se fait agresser dans la rue. Bah en plus, les Belges ne sont pas commodes. Hein. C'est connu. C'est Rude Boy, les Belges. Ah, c'est Rude Boy. Et puis, les gars, n'hésitent pas à se passer de gouvernement pendant des années. Exactement. On est quand même sur un. Des rebelles. Hein. Ça ne rigole pas. Ah, ouais, là, c'est fou. Bon, il y a eu quelques dates européennes aussi quand même, vous êtes sorti un peu de l'Hexagone. Ouais, on est allé au Rototom, on est allé au One Love Festival en Angleterre, on a fait un peu quelques dates en Allemagne, en Hollande, puis Belgique et France. Donc ça va, bon bilan en tout cas de ce premier jet avec Ras Attack. Yes, à fond. Et puis là on arrive avec Robot Muffin. Alors comment vous êtes parti, comment s'est passée l'étape suivante entre Ras Attack et Robot Muffin? Vous êtes toujours resté sur le même concept, non seulement visuel et musical, et vous avez perduré dans ce chemin, ou vous êtes reparti de zéro, vous avez reparti sur un nouveau délire ou une continuité de Ras Attack? Je pense qu'il y a une continuité, mais c'est pas réfléchi, tu vois. On a continué à écrire pendant les mois où on a tourné après avec l'album Ras Attack. On n'a pas arrêté de composer entre-temps, tu vois. Mm-hmm. Donc à un moment donné, on avait un stock de sons, de textes, d'instru. On s'est dit, on va sortir l'album suivant. Mais ça reste l'identité Atomic Spliff est toujours là, quoi. Niveau des thèmes des textes, parce que ça, il y a des textes plus ou moins militants, il y a des morceaux qui sont complètement destinés à danser avec simplement des gimmicks, il y a des textes un peu plus sérieux. Comment vous avez vous êtes parti dans ce délire, dans cette ligne conductrice? Parce que rien que le titre déjà, Robot Muffin. Ouais. Faut l'expliquer déjà. Ouais, parce qu'on trouvait qu'on vit dans un monde un peu comme des robots parfois.
travaille à la chaîne, voilà un peu. D'ailleurs, je cite une de vos chansons, La vie à Babylone transforme les hommes en machines. Ouais, bah, c'est le refrain. Vous savez bien, on est tous derrière nos téléphones, hein, même voilà. Si c'est pour du travail et tout, on le fait tous, mais on est derrière un ordi, derrière un téléphone, on est formaté, on a réveillé tous copine. Les matins, on est, voilà, on est tous un peu en mode machine. Alors moi, j'ai une vraie question. Là, c'est les vrais Atomic Spliff qu'on a devant nous. Ouais. C'est pas des clones. Non, c'est pas ça. C'est parce que je me suis demandé si on nous avait pas envoyé des robots, parce que je les trouve vachement bien sérieux quand même. Des bien cibles. Ouais, moi, j'étais habitué à plus de déconnades. Là, je suis en train un petit peu de me dire attention, qu'est-ce qui se passe, quoi. On trouve tout seul à déconner. Ouais, non. Après, voilà, on met beaucoup d'humour dans nos textes, mais il y a toujours un petit côté conscient derrière, même si on le voit pas tout de suite, quoi. Là, c'est normal. Mais l'humour, c'est très important, c'est sûr. Alors, il y a des morceaux. L'humour comme... de Namur. L'humour de Namur. Ouais, l'humour. Bon, il y a des textes un peu plus sérieux, justement, comme Peaceful Warrior, où vous avez quand même un message pour les générations futures, en essayant de faire un reggae conscient. Il y a le morceau Nerveux, là, c'est carrément... Pourquoi le morceau Nerveux? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'écriture de ce morceau-là? Ah bah écoute, en plus qu'on l'a enregistré... Mais c'est un coup de gueule. Ouais, c'est un peu défouloir, quoi, tu vois, on fait du reggae, mais on... Mais déjà, c'est un morceau hip-hop, celui-là, un peu, non? C'est un morceau hip-hop, ouais, c'est ça, ouais, carrément, ouais, donc voilà. On avait fait la prod ensemble, on avait bossé dessus à la maison, et puis on s'est disputé. Qui ça, tous les deux? Tous les deux. Ah bah ça doit être quelque chose, les disputes, chez vous. Ah, ça gueule. Ils te balancent des pierres dans la gueule, un peu? Ouais, mais j'esquive bien, tu vois, et on était vraiment en mode vénère à la maison. Ouais. Et on a. Voilà, que vous vivez ensemble en fait, c'est ça. C'est ça, ouais, on a une grosse colocation en fait. Okay. Et qui repasse les chemises de l'autre alors? Parce que je dois dire qu'il y a un gros effort sur la chemise ce soir. Hein. Ouais. Et bah, j'aime beaucoup. On les repasse pas en fait. Ah, vous les repassez pas, ouais, d'accord. Ok. Nous, ah ouais, il y a de l'élégance. Non, mais dans ça, c'est le nouveau tissu, tu sais, c'est infranchissable, c'est du tissu. C'est vintage, c'est comme les blagues. Exactement. C'est du vintage, mais c'est indestructible. Dans le salon, j'avais une nappe comme ça. Ouais. Tu pourras me la rendre? Il y a un trou dedans, mais ouais. C'est pas grave, enfin, je la mettrai dans le coin. Et sinon, éventuellement, si t'as des poissons rouges, tu peux découper des boules et mettre au fond de l'aquarium. Ouais, ça fait beau, ça fait un décor. Ça fait faune sous-marine un petit peu. Comment alors, Rousteau. Sur ce nouvel album, il y a des featuring. On va en parler juste après. On va s'écouter tout de suite le premier. J'avais une petite question, moi, rapport, parce qu'on en parlait justement de Robot Muffin, là, pour vas-y. Terminer juste sur le sujet de Robot Muffin. Donc, on parlait de Clavier à Babylone, transforme les hommes en machines, etc. Mm-hmm. Donc, on a compris qu'on était tous un peu dans un système où finalement, ça laisse moins de place à l'humain et plus de place à la robotique. On essaie de remplacer les caissières de supermarché, etc. On est dans l'automatisme le plus complet, n'est-ce pas, hein? Vous n'allez pas me, exactement. Me, pas te me contredire. Faire mentir sur ce sujet. Exactement. Voilà. Merci, Marc Lexgui. Et donc, moi, je voulais savoir si... alors, je sais que c'est très... c'est pas facile à expliquer comme ça en deux mots, mais est-ce que vous auriez une solution pour parer à ça, ou quelle serait votre solution? Ou est-ce que, justement, apporter la musique live au cœur des foyers est une des solutions? Ouais, bien sûr qu'on a une solution, c'est retour à la nature. Et voilà, si vous en avez marre de bouffer de la merde, ce qu'on nous offre à manger dans les magasins, voilà, nous on fait un jardin. On n'offre pas un magasin, on paye très cher pour bouffer de la merde. Bah ouais, c'est vrai qu'ici, vous habitez à Paris. Ah là-bas, on vous les donne ? Non, mais moi j'habite en pleine campagne, j'ai pas de voisins, donc voilà, j'ai un jardin, j'essaye d'acheter un maraîcher au lieu d'acheter dans une grande surface. D'acheter plus conscient. On peut faire ses chemises soi-même, tu vois. Oui, bah, j'ai bien vu. On a bien vu. Voilà, on avec des tentures récupérées. Hein. Faire plus les choses soi-même, se démerder, être un peu plus ragamuffin dans la vie, je crois que c'est. Voilà. Faut pas demander non plus aux gens de jouer les Che Guevara. Mais... Et puis aussi, ça, nous, on le fait. Moi, de faire un effort. On n'a pas fait le morceau Robot Muffin pour être vraiment en mode on dénonce quelque chose de manière sérieuse. C'est pour ça aussi, parce qu'on se prend pas nous-mêmes au sérieux. On sait qu'on est dans ce format de système aussi. Moi aussi, j'ai un téléphone, j'ai aussi un ordinateur. On prétend pas être au-dessus du lot ou avoir des solutions spécifiques, mais voilà, on l'aborde avec de l'humour. On se met dans un personnage pour décrire quelque chose sans être non plus dramatique, parce que bon, ça va, la vie est belle quand même. Puis il y a le côté graphique qui nous appelle à faire des trucs comme ça, tu vois, le côté on se dessine en robot. Ouais, c'est on va en parler c'est de la BD. C'est des concepts qu'on aime bien aussi. Voilà. Et du visuel, c'est important, ça fait partie intégrante de ce nouveau projet. Tout à l'heure, on parlait de Hakim Sassi, de la blague et tout. Mais en bon français, on ne dit pas Hakim Sassi, on dit Hakim Sassoi. Ça exactement. Dépend, non, mais non. Donc on va l'appeler Hakim Sassoi. Mais non, ça dépend du temps que tu utilises, Hakim Sassi. Non, Sasseya. Quoi? Et pas Sassi. Quoi? Ça suit. Bref, allez, on enchaîne. On a parlé des... En belge, on dit ça se dit Sassi. Ouais. D'accord. Non, mais bon. Ça se dit de toute façon. Ouais. Bon, en français, je sais pas. On regardera. On parlait des featuring dessus à retrouver Marginal, LMK et le morceau Nerveux avec DJ Bust. On va s'écouter tout de suite le premier featuring. Featuring Marginal, le morceau s'appelle Plus haut, extrait de Robot Muffin, le nouvel album du groupe Atomic Spliff, disponible depuis le mois dernier en téléchargement légal et en format physique dans toutes les bonnes crèmeries en Belgique et en France. Tout de suite, Plus haut.
PlayStation. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. On vient pour t'élever avec de la vibe positive. Viens pas pour déconner ou pour gaspiller ma salive. Tu sens la good vibe, c'est Rastaman qui arrive. J'accomplis ma mission avant d'aller sur l'autre rive. Je parle de passer le sommet de leur pyramide. Voyage intérieur, maintenant faisant le vide. Ouvre ton cœur, c'est toi qui décides. Ceux qui le ferment souvent sont stupides. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Sur la route de Zion. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. On est toujours en action. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Tagalog, c'est ma mission. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus. De ce qu'on connaît ou pas, on vient pour partager une vibe avec toi. On vient pas t'ordonner de faire ci ou ça. Notre mission c'est d'éveiller ce qu'il y a au fond de toi. Nous on vient pour t'élever, on vient pour te rassurer. Y'a pas que du mauvais comme au journal télévisé. On est la majorité, ils ne sont qu'une poignée. Mais si t'ouvres les yeux, ça ne va pas te toucher. Comme l'effet d'un ricochet, mes rastas m'ont protégé. C'est que je veux dire, c'est que tout vient de la pensée. Si tu es positif, tu sais que ça va aller. Mais dans le cas contraire, man, tu vas t'enfoncer. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Sur la route de Zion. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. On est toujours en action. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Tcha-tcha, love, c'est ma mission. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Right. On a tous un côté sombre, un côté clair. Nous on veut juste faire sortir de toi la lumière. Le système veut laver nos esprits à l'éther et purifier la terre avec leurs militaires. Mais nous on a compris, on chante et on crie. Mais nos âmes à la vue, Haïti c'est la cible. Peu importe qui tu pries, la vie n'a pas de prix. Écoute bien ceci, simplement on te dit. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. Sur la route de Zion. On vient pour t'emmener plus haut, mener plus haut. On est toujours en action. Le morceau plus haut featuring Marginal, il n'est pas encore rentré son morceau, mais ça vous l'écouterez quand vous aurez l'album chez vous. Ce sera la petite surprise. Et oui, les featuring arrivent tard sur les albums de Atomic Spliff. Ils sont gourmands, ils veulent le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième couplet. Et on laisse l'artiste arriver au cinquième, c'est ça? Yes, parce qu'on garde le meilleur pour la fin, tu sais. À fond. Et puis on c'est ce que j'allais dire, tu m'as retiré la bouche. Mais on a fait le morceau ensemble, il l'a écrit chez moi, dans mon salon. Ils sont venus passer quelques jours en Belgique. Et il a écrit son couplet qui est magnifique, voilà, en une demi-heure. Puis on est descendu chez mon pote Mr. Regilla. On est allé au studio et il a posé. Et il a dit, ouais non, ça va, je préfère poser à la fin. Et voilà, bon, c'est choix de Margie, mais voilà, on est content de ce qu'il a fait, de ce morceau. Vous découvrirez bien ce morceau donc sur l'album Robomophile, le nouvel album de Atomic Spliff, avec comme featuring Marginal. Dans quelques minutes, on s'écoutera le featuring avec LMK et il y a aussi DJ Bust à retrouver sur le morceau Nerveux. Niveau des prods, parce que ça va du reggae, au rocksteady, au raga hip-hop, au robadub, au dancehall. Comment vous êtes occupé des prods? Je sais qu'il y a Daddy Cookies dans l'histoire aussi. Mm-hmm. Ouais, moi je travaille la plupart des instrus à la maison. Moi j'aime bien collectionner les vieux claviers, Casio, Yamaha et tout ça, donc vintage. Je chipote en fait, voilà, vintage, comme ma chemise et ton rideau. Et c'est blague. Bonne blague. Et alors, et mes blagues aussi, ouais. Et alors, voilà, le fait de chipoter un peu avec différents vieux instruments, d'acheter des nouvelles machines, de se passionner un peu pour la musique, il y a des trucs qui sortent, mais c'est pas forcément toujours la même chose. Et puis dans les samples, on va chercher dans nos inspirations musicales, qui sont larges, on n'écoute pas que du reggae ou roots. Ou voilà. Mm-hmm. Donc du coup, ouais, il y a du rocksteady, il y a du hip-hop, il y a du raga, dancehall, enfin un peu tout. Il y a même un morceau assez rap, si je ne m'abuse, c'est le morceau Pas Assez. Ouais. Il est presque différent. Hip-hop, quoi. T'es presque rappeur dessus, quoi. Presque. Ouais, ouais. Oui. Sans m'en rendre compte. Mais... Sans t'en rendre compte, d'accord. Excuse-moi, je non, non, c'était pas grave. Révéler non, mais... un secret, peut-être. De toute façon, voilà, on est ragamuffin, on se revoit dit comme ça, parce que c'est ce qui nous inspire, c'est la musique jamaïcaine. Mm-hmm. Mais ça, j'aime bien aussi aborder d'autres choses dans la musique. C'est large, la musique, on en parlait tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qu'on met derrière la musique, les symboles, les religions, ce genre de choses-là. Pour moi, la musique, ça dépasse tout ça, c'est humain avant tout. Donc s'il y a des choses qui te font vibrer, bah, tu peux les partager, c'est ça. Le choix du français et de l'anglais aussi, selon les morceaux?
Alors l'anglais ça sonne, on aime bien les mettre un peu des mots en Jamaïca. De nouveau, c'est une question d'inspiration avec toute cette culture jamaïcaine. Ouais. Mais le français, bah, c'est notre langue à nous, avec ses richesses, avec les expressions, avec les différences, les barrières linguistiques, le GSM notamment. On en a notamment. Parlé. Donc voilà, on a envie que d'abord nos proches comprennent notre musique, donc on n'a pas envie de chanter entièrement en anglais. On garde le français, mais on essaie de mettre un petit peu des gimmicks et des trucs. Ils viennent nous demander, ça veut dire quoi, Peaceful Where We Are, ça veut dire quoi, voilà, des mots qu'ils entendent dans nos textes, ça leur apprend un peu le style. C'est marrant, les Belges, c'est un peu comme les Bègues. Quand ils chantent, il n'y a plus d'accent, il n'y a plus de... Tu vois, on dirait vraiment des Français ou... Il y a plein d'accents en Belgique, attention. Hein. Bah, j'attends ça une fois. C'est le carrefour des accents. Ça, c'est l'accent plus bruxellois, mon Francky. On m'a dit que selon Liège ou Bruxelles, c'est pas le même accent. Ah oui, à Liège, on parle plus comme ça, tu vois. Ah d'accord. Oui, c'est différent. Daddy vient plus de Liège. Oui, et ce soir, c'est la France Liège. Un incroyable talent ici dans Party Time. C'est un truc de ouf. C'est la France un incroyable talent. On maîtrise plein d'accents, nous. Hein. Ah bah oui, je vois ça. Ouais. On maîtrise aussi un peu l'accent français, tu vois. Ouais, parce que de temps en temps, on se promène un peu en France. Tu vois, du coup. Atomic Spiffle, c'est pareil à mes films. Carrément grave. J'arrive sur les trucs de malade. Regarde mes films sur scène, c'est des ménages. Attention, hein, les Belges là-haut. Et bim badaboum, nous, c'est bim badaboum. Faut arrêter de regarder Bigard, les gars. Hier, il y a un gars, il m'a fait au bar. On était à Bordeaux, on jouait hier à Bordeaux. Puis il y a un gars, il me dit, c'est pas la première fois. Il me dit, ah, tu viens de Belgique, attends, je connais un gars à Mons, il s'appelle Thierry, tu le connais? Bah, évidemment, on est tous cousins. Bah oui, Thierry, tu vois, attends, qui connaît pas Thierry? En tout cas, vous avez compris. Ah, les gens sont forts. Hein. Ils sont très forts. Ouais, ils sont très forts. Comme les châteaux. Mais on aime venir en France. Cet album, voilà, vous l'avez compris. En tout cas, le groupe, vous l'avez compris. Il est plein d'humour, plein de second degré aussi à retrouver dans cet album. Et il y a le côté graphique. Alors, non seulement sur l'album lui-même, mais en plus, il y a la BD. La deuxième BD qui vient d'arriver, réalisée par Stoneman aussi. Ouais, exactement. Voilà, le deuxième petit bébé. On le montre à l'antenne. Voilà, le petit bébé, comme tu dis. On s'est fait plaisir avant tout. Donc c'est ça le concept, chaque album mérite sa BD. Ah ouais, voilà. Et puis voilà, c'est les deux premières chansons de l'album, illustrées, donc tu as toutes les paroles. Tu peux mettre le CD dans ton poste, tu ouvres la BD et voilà. Ah, c'est comme avec Chantal Goya à l'époque, t'as acheté le CD, la cassette et t'avais le c'est livre. Il est fort en compliment quand même. Il y a une petite sonnette. Et Goldorak aussi, il y avait aussi Goldorak. Quand tu dois tourner ta page, il y a une petite... C'est ça, ding. Voilà. C'est l'heure de tourner la page. C'est mortel, le plaisir des oreilles et des yeux. La BD, on peut la retrouver en dehors de ça, on peut la retrouver où, comment? Parce que je pense pas qu'elle doit aller livrer avec le CD. Non, il y a certains magasins en Belgique qui la proposent aussi avec le vinyle, l'album, pas tous. Sinon, elle est disponible au concert. Donc quand vous venez nous voir, on a tout avec nous, la panoplie. Donc, du t-shirt au slip en passant par la BD. Ouais, faut dire que nous, tout ça, c'est indépendant, quoi. Il n'y a personne qui nous a aidés à sortir ou à investir. Voilà. Tu vois, on a vraiment tout fait. 100% indépendant. On investit tout. Et voilà. La BD, les graphismes, les instrus. C'est comme ça qu'on sort notre album. Le studio, c'est chez un ami. Le mixage, c'est chez un ami. Il voilà. Ouais, y a un titre d'album de Sniper, du groupe Sniper, un groupe français, qui aurait pu être le nom d'un album gravé dans la roche. Ça aurait pu être. Pour un sculpteur. Ah, pour Stoneman. Ouais, pour Stoneman. Mm-hmm. T'avais une chanson avant que je te connaisse, fort comme le lion, dur comme de la pierre. Tu vas pas sentir ça. Oh là 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 là. Bon, vous expliquerez. C'était mes débuts. Hein, moi, micro. Je préfère Solid as a Rock de Sizzla. Okay. Donc l'album est disponible un peu partout dans les crèmeries. Oui, Duda. Ouais, bah je voulais qu'on parle un petit peu du 45 tours. Aussi, ouais. Hein, qui est ici présent, voilà. Avec deux morceaux. Deux morceaux, tout à fait. Une face A, une face B, comme ça se fait. Et oui. Et ouais. Voilà. C'est, trop bien. C'est pour ça. Donc je vois que c'est des versions remix. Ouais, c'est en fait l'astru, voilà. Les astrus sont des remix de groupes de rocksteady belges. Voilà, donc les Vaders et les Carole Regans, big up au passage. Voilà. Ils font du super bon boulot, ils enregistrent à l'ancienne dans des studios à bande, ils sont vraiment fidèles à la tradition rocksteady. Ouais, ils sont bons. Et ils sont sur un label allemand qui s'appelle Grover et ils sortent régulièrement aussi des 45 tours avec un groupe d'un côté et l'autre groupe de l'autre. Et donc, vu qu'on était parti sur des remixes des deux groupes, on s'est dit, bon, on va pousser le délire jusqu'au bout, on va mettre ça sur 45 tours. D'autant plus qu'on n'avait encore jamais sorti de vinyle Atomic Spliff. Et qu'on a commencé à des systèmes. C'est une fierté, hein. Ouais, c'est carrément un truc de fou. On dit, ça y est, c'est le travail paye, quoi. C'est l'objet par excellence de la musique jamaïcaine, c'est le 45 tours. Voilà. Et il est disponible comment? Alors, également dans certains commerces en Belgique. Pour la France, par contre, il faut venir nous voir en concert.
D'accord. Vous n'avez pas une adresse d'un site internet ou une adresse email qu'on puisse commander à distance? Alors, on ne le fait plus pour l'instant. L'album est disponible sur Amazon pour la France, l'album en CD. Mais pour les vinyles et autres merchandising, on ne le fait plus. Et bah sinon, les gens vous contactent sur les pages de réseaux sociaux. Ouais, on peut s'arranger, évidemment. Il faut aller à la poste et tout, c'est compliqué. Ouais, ça peut, tu vois. Donc on l'a fait un moment, mais puis après ça demandait vraiment trop de boulot, donc on se dit bah voilà, de toute façon le but c'est aussi la rencontre, donc les gens peuvent venir au concert simplement, et à ce moment-là c'est l'occasion de faire une dédicace, d'en parler. Donc, qui dit concert, des dates à annoncer? Ouais, on est super content, on sera au festival de Dour en Belgique, un très chouette festival, donc on ouvre le festival le jeudi. Sinon, on a sur aussi la grande scène. Sur la grande scène, ouais. Il y a Rachika et Mathias, je pense, cette année encore. Yes, cool. On se verra là-bas. Donc, on fera un petit peu, on profitera un peu du festival aussi. Check, évidemment. Comme d'habitude. Et puis, alors, on a une petite tournée en Angleterre. On sera encore au One Love Festival. On passera par Brixton ou Tanani. On va au Ritz Festival en Suisse. Et puis, encore des dates en France aussi. On a une date en Belgique à Ovifa avec Manu Digital ainsi que plein d'autres DJ anglais. Le Reggae Bus Sound System. Le Reggae Bus, c'est. C'est les gars de Bruxelles chez nous, ils font vraiment du bon boulot à question ça. Le Kodiouf. Yes. Et on en passe une pour Youman. Monsieur Kodiouf, big up yourself. Big up. Youman, big up. Jamaica, évidemment. Beljoma. Et justement, Jean-Marc, ça fait deux artistes belges qu'on reçoit en peu de temps et les deux font et de la musique et des beaux dessins. Exactement. Donc je m'interroge. Ouais. Avec Manu dessine aussi. Cette double... Ouais, Youman, découvert récemment que je faisais des sculptures, ça m'a fait plaisir. Mais c'est quoi, c'est propre aux Belges d'être bitalentueux? Non, je ne pense pas. Multitalenté. C'est un point commun que j'ai avec Youman, apparemment. Ok. Et justement, en parlant de dessin, là, sur cette pochette, il y a des personnages. Ouais, c'est nous. Je sais que c'est vous, ça je vous ai reconnu, les gars. Mais là, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi. C'est Mr. Regula. C'est Mr. Regula, notre AG son. Voilà. Qui mixe aussi les morceaux. Et qui c'est derrière, alors? Ah, c'est Livio, notre photographe, vidéaste official, qui vit en Indonésie et qui revient à l'été pour nous suivre. C'était Judas. C'est lui qui fait les clips. Ça, il a une vie simple, lui. Il a une vie très simple et très saine. Il est un peu comme toi, il fait beaucoup de sport. C'est bon, c'est bon. Et de l'apnée, notamment. Pour ça, là, moi, je suis très fort en apnée, attention, j'ai fait des trucs de ouf. Et c'est pour ça que Flash It. Et Flash It. Flash It, pas exactement. Mal. Big up à Monsieur Little Danny, au passage. Flash It. En tout cas, un graphisme digne des plus grands dessinateurs des années 70-80 en Jamaïque pour les illustrations, notamment des compilations techniques, Green Sleeve et tout. Et ben, vous retrouvez à peu près le même esprit aussi à travers le graphisme dessiné par Monsieur Stoneman du groupe Atomic Spliff, qui s'occupe des pochettes, des BD, des visuels. Alors regardez aussi, si vous les rencontrez, n'hésitez pas à demander aussi vos stickers. Il y a plein de stickers différents avec des thèmes, des personnages à retrouver. Nous-mêmes, on a une planche originale. Bon, je l'ai rangée dans le sac, dommage, mais on a une planche originale réalisée par toi aussi avec tous les visages de l'équipe de Party Time. J'espère que peut-être dans 20 ans, ça valera peut-être une blinde. Ça valera peut-être. Ça valera peut-être. Alors, ça valera peut-être. C'est de Jean Valjean, tout ça. Voilà. Et ben, ça valera cher, alors. Hein. Et ben, si ça vale une blinde. Non, mais en Belgique, on a le droit de dire ça valera. Ça vaut ce que ça vaut, de toute façon. On peut tout dire, nous. Direction Valparaiso. On n'a pas de problème. Ça valera. Elle est pas mal, celle-là. Allez, non, mais Hakim Sassi, comme il a précisé, check de Flo. Assassi, pas si simple. Voilà, pour ceux qui s'y demandaient. Merci à Flo. C'était pas si simple. Merci. Une petite question, Flo Capello. Parce que j'ai entendu souvent dans le CD l'emploi du mot Babylone, n'est-ce pas? Et donc, on a dit ça. Vous avez dit ça. Mince. Plus d'une fois, à maintes reprises. Et donc j'aimerais savoir pour vous ce que ça représente en fait. Qu'est-ce que vous dénoncez à travers ce mot? Attends, je vais vomir. Bah, c'est une Babylone, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit occidental un peu capitaliste, enfin très capitaliste, individualiste. C'est le système, le fonctionnement de nos sociétés qui ne nous convient pas toujours, quoi. Donc on parle de consommation dans le morceau pas assez. On parle justement du fait qu'on est un peu comme des machines, de robots muffins. Donc Babylone, c'est un peu, bah, dans la culture reggae, c'est un peu le symbole de tout ça, quoi. Ouais, pour moi, c'est aussi vraiment les mecs qui mènent le monde, tu vois. Parce que l'exploitation, voilà, c'est... Il faut aller voir parfois un peu plus loin que ses voisins ou que ses collègues, la jalousie, tu vois, il faut se dire, ouais, mais tu travailles pour qui vraiment au final? Où va tout l'argent, quoi? Puis il est mal distribué, ça c'est Babylone, ça. Ah, je sais pas comment c'est chez on vous. On vit dans Babylone.
Chez nous en France, la situation elle est plus que critique. C'est la peste ou le choléra dans quelques jours. Donc, Me tracasse, hein, nous on vit ça depuis quelques années. T'inquiète, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant les mois. Je sais, donc je ne sais pas comment c'est chez eux. Ils vont te donner des conseils, il n'y a pas de problème. C'est bien particulier aussi. Bref, on n'est pas là pour rentrer dans le débat politique. On n'est pas LCI ni D8. On va rester musical cette fois-ci dans cette émission. On va se quitter avec le dernier extrait ce soir avant de vous retrouver en freestyle. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cet album. Qu'il est disponible depuis le mois dernier en format digital et en format physique dans les bonnes crèmeries. Que si on vous rencontre du côté d'une date, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre ou à n'importe quel endroit, il y a des chances d'avoir des stickers, peut-être une petite BD, un 45 tours, bref. On a même des skateboards. Des skateboards, des paquets de préservatifs, des boîtes d'allumettes, des briquets, il y a toute la tiraille. Atomic Spliff, et retrouvez-les en tout cas sur Internet, sur les pages de réseaux sociaux. Il y a un site officiel aussi, je crois. Il y a un site officiel et puis voilà, Facebook. Twitter, atomixplit.be. Voilà, point BE pour Belgique. Ah, je crois que c'est pour la BE, moi. Okay. Aussi. Ah, voilà, ça me tout de suite, le troisième et dernier extrait ce soir, ça s'appelle Gal in Adidas featuring LMK, extrait de Robomofin, le deuxième album du groupe Atomic Spliff ce soir dans Party Time. Yeah, yeah. LMK on microphone. Atomic Spliff in the ear. Digga digga dang, digga digga dang, digga digga dang, digga digga dang, digga digga dang. Digga digga dang, digga dang, digga dang. Elle est là pour la vibe, elle n'attend pas de récompense. Elle se laisse aller, elle se fout de ce que les gens pensent. Elle est anti-système comme nous de la résistance. Gal move, gal wine, vas-y gal danse. Elle vient sur la piste dès que la soirée commence. Elle était sur la liste, elle vient toujours en avance. Elle connaît mes lyrics, elle sait comment je pense. Elle me donne la force et je monte en puissance. Me love me life, me love me friends, me love me style in Adidas. Me love me gal, me love me boys in Adidas. No time to waste, no one to blame. I just wanna move my body until the end. You know me love it when you wind it from back. Early in the morning on me favorite track. You know me want it when you just by my side. Touching your body until the sun goes down. Questions. Quand tu l'as vu whiner sur la piste, t'as eu des frissons. Et chacun de ses mouvements retient ton attention. Et quand elle a croisé ton regard, t'as senti la pression. Et tous les rude boys dansent autour d'elle. Mais son esprit est ailleurs, c'est ça qui la rend belle. Elle a pas d'artifice, elle est arrivée telle qu'elle. Elle porte pas de masque, elle a un style naturel. À son middle dance, welcome in Adidas. Give me your step first, then give me your dance. Me love me gal in a de dress, me love me gal in a de dance. Gal come in a de dance. Gal come in a de dance. Give me your step first, then give me your dance. Me love me gal in a de dress, me love me gal in a de dance. Gal come in a de dance. Me give thanks to Jeffy, all the woman them. J'avais pas encore fait ça ni abordé ce thème. Un spécial big up, ouais, c'est un lady santem. Pour la maman, pour les sisters, pour la woman que j'aime à son middle. Chacune est plus forte qu'une vingtaine d'entre nous. On croit devoir la protéger au milieu des loups. Mais sa morsure est puissante, elle te met à genoux. Et quand elles sont pas là, c'est le monde qui devient fou à son. No care what them feel me, no care what them say. Nothing feel waste me, just ready to play. Waiting tonight, it's a couple of days. I'm ready for dance, you know me gonna stay. Turn up the sound, I can't hear what you say. Turn up the light, let me see your face. Turn up the music, I feel the bass. I'm loving this party. You love the gal in a deep dance now. And you know, boy, you can cross my way. We are the gal in a deep dance now. Yeah, me are the gal in a deep dance. Elle aime toutes les couleurs, elle ne fait pas de différence. Elle a du cœur et n'attend pas de reconnaissance. Belle comme une fleur de puissance naissance. Elle a choisi le chemin de la connaissance. Elle a de la philosophie, elle a beaucoup de conscience. Un bon esprit, ouais, tu peux lui faire confiance. Galina des dress, mais love me, Galina des dance, dance, dance. Elle se fout de la concurrence. Welcome in.
queen of the dance. Give me your step, pasta, give me your dance. Me love me girl in a the dress, me love me girl in a the dance. Le morceau Galina di Dance featuring LMK, troisième et dernier extrait ce soir, en écoute de ce nouvel album Robot Muffin qui est disponible depuis le mois dernier en téléchargement légal et en format physique dans les bons réseaux. Bien sûr, un album varié qui passe du rocksteady au hip-hop avec une grosse basse présente pendant tout l'album, avec des sons Robadop digitaux et des textes engagés et plus fun à quelques moments aussi selon les titres. Donc retrouvez cette ambiance de ouf, straight from Belgium, avec le nouvel album de Atomic Spliff. C'est l'heure du live tout de suite. Daddy Cookies, Mr. Stoneman, ready? Yes, man. C'est l'heure du live, yeah. Atomic Spliff dans Party Time, ready? All right, dude, Party Time. Original Mr. Postman, me see. Yes, we come out of Belgium, I can't man see. Boom, yeah, boom. Bidda bye bye, 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 bidda bye bye. Hey Mr. Postman, yeah man says you're dedicacy à Mr. Postman, le facteur c'est lui qui amène le courrier des bonnes qu'on amène. Hey yeah, man. Hey Mr. Postman, good ya. Yeah. Hey Mr. Postman, si tu as des factures ne me les amène pas. Me sing say, tell me what I want. Y'a que le positif qui passe dans ma te bois. Me sing again, hey Mr. Postman. Si tu as des factures ne me les amène pas. Me sing say, tell me what I want. Boom ya. Yeah. Tell me what I want. Moi je suis comme toi mais je travaille pour John. J'envoie cette vibe partout autour de moi. Je dis ce que j'ai sur le cœur de Rasta. Je suis un messager, appelle-moi Messenger. Je livre une vibe qu'on ne connaît pas. Parce que la radio, la télévision n'en veut pas. Alors on se propage le projet sous le bras. Donne-moi ton adresse et je te l'envoie. Hey, Postman et moi on a le même métier. Je livre les good vibes, les livre le courrier. Si tu n'es pas chez toi on laisse un recommandé. Tu passes à chercher ton colis à la prochaine soirée. Le facteur j'aime le voir quand il m'amène des nouvelles. Mais les factures je les paye pas donc il m'amène les rappels. J'espère qu'il m'amènera une carte de Stony de ses vacances en Jamaïque avec ses jacalanges. J'ai fallu mettre hey Mr. Postman, tranquille. Si tu as des factures ne me les amène pas. Missing sing, tell me what I want. Y'a que le positif qui passe dans ma te bois. Missing again, hey Mr. Postman. Si tu as des factures, ne me les amène pas. Mais c'est, tell me what I want. Boom, yeah. Tell me what I want. Je me lève le matin, ouais, le facteur est passé. Il y a des factures, mon portefeuille est fâché. Je dois retourner, ouais, retourner travailler. Je monte dans le studio et je commence à toaster. Il faut qu'on enchaîne les dates à Sound System. Avec Atomic Spliff, il faut qu'on monte sur la scène. Gamedy, cachet m'amène. Car à chaque fin du mois, mon compte en banque a la haine. La même musique. Où est le colis que je t'ai commandé? Il vient de Jamaïque que je l'ai fait apporter. Fais pas ton parano, mon quand je te vois stressé. C'est pas de la ganja, c'est du sang pour mixer. Le colis est ouvert, tu l'as déjà écouté. Je vois à ton sourire que le son te plaît. Au début t'aimais pas plus que ça le reggae. Maintenant après ton boulot t'es du jeu. Hey Mr. Postman, si tu as des factures ne me les amène pas. Missing c'est tell me what I want. Y'a que le positif qui passe dans ma te bois. Missing again, hey Mr. Postman. Si tu as des factures ne me les amène pas. Missing c'est tell me what I want. Boom ya. Tell me what I want. Party time. Tell me what I want. Tell me what I want. Boom ya. Tell me what I want. Ding 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 ding. Tell me what I want. Party time. Tell me what I want. Bidi ba ba bidi ba ba ba. Tell me what I want. Tranquille. Tell me what I want. Ding 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 ding. Tell me what I want. Yeah, man, original, Atomic Spliff, Mr. Postman a retrouvé sur ce nouvel album Robomuffin du groupe Atomic Spliff. Deuxième titre. Yeah, eh, 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 eh. We gonna rock and steady. We gonna rock and steady. Yeah, man, c'est dans ce monde perdu, dans la négativité, no man, c'est Babylone et son obscurité. Sur le 45 tours. On va pas se laisser influencer, no man, c'est watch me now. Party time. Hey, rock and steady, me say rock and steady. One love and blood, me say one destiny. One me say rock and steady, me say rock and steady. Tout le monde est brillant, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Rock and steady, me say rock and steady. One love and blood, me say one destiny. One me rock and steady, me say rock and steady.
Bleda, we gonna rock and steady. Tout le monde a compris que le monde est divisé et on sait qui fixe les prix. Hey, man, si t'es ready, viens dans la partie. Man, rejoins le clan de ceux qui ont choisi la vie. Mais c'est rock and again. Tout le monde a le même sang dans les veines. Celui qui sème la peur récoltera la haine. Coupe ta télévision et mange pas la graine. Non, si on veut du changement, ça se passe maintenant. On peut pas se contenter de marcher dans les rangs. Un peu d'amour et être tolérant. Comme un poisson qui avance à contre-courant. T'es pas posé, tu n'aimes pas ton travail. C'est imposé, tu le fais pour la maille. Et à côté y'a des gens qui crèvent la dalle. Tu les vois tous les jours au JT mais ça te fait que dalle. Alors on saute sur la balle et puis on jump dans les salles. On sait les salles du ragamuffin au dancehall. Et quand on est official à Paris, no man ça se passe à party time. You see me, I say rock and steady, me say rock and steady. One love, one love, me say one destiny. For me say rock and steady, me say rock and steady. Tout le monde est breda, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Rock and steady, me say rock and steady. One love, one blood, me say one destiny. For me, rock and steady, me say rock and steady. Breda, for party time. A big respect, ça fait long time qu'on vous écoute. Yes, yeah. I am. Do it, cha. Ce soir on fait le show, c'est move sur the rock steady. C'est move sur the rock steady. Atomic Spliff sound move sur the rock steady. On est en mission move. Hey, tu peux pas t'empêcher de move sur the rock steady. Ce n'est pas empêcher de move sur the rock steady. Il faut te dépêcher, viens move sur the rock steady. On est en mission move. Hey, comme dirait Tania sur la tourne, it's a pity pity. Tous les jours dans Babylone, ce n'est pas funny funny. Tu sais pourquoi on firebonne tous les bandés. C'est parce qu'ils portent des guns, ils n'ont rien compris. Le système veut ta perte, ne sois pas apprenti. Faut de la force pour se défendre, ça je te le garantis. Ils sont prêts à te descendre, c'est oufti. Et les gens en redemandent de la money. Si tu ne bouges pas ton cul, tu seras volé. Si tu veux perdre des kilos, viens chez les beautés. Si tu veux la bonne vibration, c'est ici. Atomic Cliff on rock and steady. Rock and steady, me say rock and steady. One love, one blood, me say one destiny. Me say rock and steady, me say rock and steady. Tout le monde est brillant, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Rock and steady, me say rock and steady. One love, one blood, me say one destiny. For me, rock and steady, me say rock and steady. Better, boom, on the breda, the party time. Yeah, man, big up Funky, Chica, big up Matias, big up Chica, original Junior Senior. Big up Flo, la video. Special dedicace for the Moon Invaders, the man. Rock and steady, out of Bell, Jamaica. Boom, yeah. Daddy Cookies, Longside Stone Man, a.k.a. le Atomic Spliff, avec le morceau Rock and Steady, à retrouver aussi en format 45 tours dans les bonnes crèmeries, avec le morceau Well Now, juste derrière, disponible. Bien sûr, si vous les croisez en concert, 3e et dernier extrait en live. Ready. Yes. Tu connais cette chanson ? J'en connais une qui ressemble à celle-là. Eh bien, alors chante-la. Yeah. Yeah man, ça me rend nerveux, mal à tous ces problèmes ici à Babylone. Nerveux. Et tous ces bambocs là, tu sais, mais right. Ça me rend nerveux, malade quand on me traîne, qu'on balade, qu'on me raconte des salades, qu'on veut me passer de la pommade, boy. Soundboy, fais pas ça, je t'avertis là. Si tu mets tes pieds dans le plat, tu finis fils ça au bout d'une ficelle. Je remonte sur ma selle, même après une chute. Comme un cowboy, ben je vais droit au but. Je me retire dans ma hutte, tel la Nadia. Le monde me rend nerveux, y'a que là que je me sens bien, hey. Et ça fait beau, nana, beau, nana, beau, nana, yeah. Les politiques sont tous des marionnettes comme Tata, yeah. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à part payer, faut batailler. Leurs lois sont comme leurs costards, y'a pour eux qu'elles sont taillées, oh. Je reprends ma respiration. Et sur le microphone ça sent la transpiration. J'en ai marre de Babylone et de sa conspiration. Continue à foutre la haine, ça me donne de l'inspiration. Oh, je suis toujours sur la balle comme Iverson. Et quand je vois ce qu'on consomme, je suis violent donc en somme, je suis nerveux. Mais sur le microphone, je suis plus puissant que John D. Roy, Matthew Ferguson. Aïe, y'a belle et des belles gobelles qui se défendent des mic again. Trop de haine, trop de bamboclats, je suis dans l'arène. Pour ma shop, le système, j'ai pas de one ni de reine. Non, stiggity dance, stiggity dance, stiggity, ce que j'aime, c'est d'allumer le fire, de brûler le ballon. Connais le principal pour éviter les balles de Babylone et le mal. Un couplet illégal, bête madone, bête madone, bête madone, no, bête madone, no. Atomic Spliff dans ta stéréo. On a dominé le rythme comme au rodéo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier oh, M-I-C-R-O. Mettez ma tonne, no. Atomic Spliff dans ta stéréo. On a dominé le rythme comme au rodéo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier oh, M-I-C-R-O.
j'suis nerveux. Parfois quand je me lève le matin, donne-moi mon os, même si je suis pas ton chien. Tu sais que je peux péter un plomb pour un rien. Ouais. Heureusement j'ai la marée dans la main. Ouais, je l'ai mana mana, je la garde et je la bonne. Et les bad vibe que j'ai s'envole. Flop, flop, battement de mes ailes. J'dégage de là pour que la vie soit belle. J'suis pas toujours cool comme avec B9. Quand le son frappe à la 619, quand y'a du kick, de la baseline, vénère sans sniffer de line. Quand je suis parti dans une idée, pas besoin de validité, c'est pas de la débilité, ça parle de nervosité. Nous maintenant on aime militer, y'en a qui ne vont pas, qui fait des lits de vie. La pauvreté si t'es blindé, t'es acquitté. Peu de matos de atom explique dans ton stéréo. On a dominé le rythme comme au rodeo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier oh, M.I.C.R.O. Peu de matos de nous, atom explique dans ton stéréo. On a dominé le rythme comme au rodeo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier oh, M.I.C.R.O. Peu de matos de nous. General, party time. Respect. DJ Bust. Yes, I am. Jamaica, right. Party time. But them I don't know. Atomic Swift dans ta stéréo. On a dominé le rythme comme au rodeo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier OMC. Yeah. But them I don't know. Atomic Swift dans ta stéréo. On a dominé le rythme comme au rodeo. Ça me rend nerveux comme au jeu vidéo. Je dois crier OMC0. But them I don't know. One love, party time. Atomic Swift. Le morceau nerveux présent sur l'album Robomuffin. Disponible depuis le mois dernier en téléchargement légal et en format physique dans tous les bons réseaux, les grands réseaux, les petits réseaux et sur les magasins en ligne, comme on dit. Et bien sûr, si vous avez la chance de les croiser soit en Angleterre, soit en Belgique très bientôt ou en France dans quelques mois, et ben, n'hésitez pas à leur demander le single, la BD, les stickers et tout ce qu'il faut pour, voilà, pour avoir quelque chose de Atomic Spliff. Merci en tout cas, Cookies, Daddy Cookies et Monsieur Stoneman. Merci pour l'invitation. Merci à vous. À très très bientôt. Yes. Big merci, merci pour tous les cadeaux. C'est rare. Eh, les Français, prenez-en de la graine. C'est un honneur. Ah, les Belges, ils sont plus sympas et plus généreux que les Français. L'année dernière, enfin il y a deux ans, on avait amené des bières, mais notre flagman n'a pas su venir. C'est lui qui s'occupe de ça d'habitude. Mais... Chica s'en occupe. On se rattrapera à Dour, Chica. On se rattrapera à Dour, Chica. Merci. Elle attendait son panier garni, tu vois. Il y a du chocolat mortel. Ouais. Ah, chocolat belge, ah oui, j'avoue. Puis voilà, on s'est dit, si je fais aussi une petite sculpture pour toi, vous ne nous inviterez peut-être plus alors. Mais non. Même sans ça, vous êtes les bienvenus. Je veux ma sculpture, vous êtes obligé de revenir. Yeah. Troisième album alors. On vous attend bien pour sûr. Le troisième album. Big up Party Time, vous êtes les meilleurs. One love and bless. Yeah, man. Yeah, merci man. À vous. C'est... En tout cas, le reggae belge se porte très bien entre Human et Atomic Spliff et encore d'autres groupes à découvrir, je suis sûr. Que ce soit à Liège et à Bruxelles ou dans d'autres, à Namur ou dans d'autres villes du plat pays. En tout cas, merci à vous de le représenter fièrement et humblement. Et en tout cas, bonne continuation à vous. On vous attend pour le troisième album. Et vous avez le bonjour de Chabi qui est bien connecté. Chabi qui vous big up à yeah, moi. Big up Chabi. Big up Chabi. Scène. Yeah, man. Boom, yeah. À très one bientôt. Love. Big up President. Resident is my president. On fait une petite pause vite fait. On écoute 2-3 morceaux de nouveautés et après on finira l'émission bien sûr avec la playlist de Chica. Mais en attendant, le groupe Irie Jazz dans quelques minutes pour une interview découverte de l'album et live dans Party Time. Mets-toi bien, mets-toi cool. Mango tree entertainment, Rastafari, the Lord of Lords, the conquering lawyer. There is no way I will ever stray from the Almighty. Tell them no day, I will never stray from the Almighty. There is no way I will ever stray from the Almighty. Tell them no day. From the Almighty, me represent for the King when me step out. Fill up the people, there is no doubt. Evil deeds and thoughts what we rub out. Rastafari work is no joke. Lightning, brimstone, and fire shall consume them. From them strife, from the Almighty power.
ever stray from the Almighty. Tell them no, no, no. Jay, I will never stray from the Almighty. There is no way I will ever stray from the Almighty. Tell them no, Jay, I will never stray from the Almighty. But I knew it was just another line. Hey. Say you'll never go astray. You promised that you'll never walk away. But I knew it was just another lie. You planted a knife in my back. Feel betrayed and the pain just won't stop. Look what you do to me. Look what you do to me. All these memories, those plain old crap. You stabbed me with a knife in my back. It was a perfect love when it first started. Look what you do to me. Look what you do to me. Me head a burst and it hurt my heart. Looking at the memories that love can't do. But wow, things are going me a fi run. Sitting at the fireside when you say you're gone, can't believe you got a big man still on. You were not there when time to explore the infinite love we talk about. That strict reciprocity to the bone. Then you're gonna leave me all alone. You stabbed me with a knife in my back. Feel betrayed and the pain just won't stop. Can't believe what you do to me. Look what you do to me. All these memories, those plain old crap. You planted a knife in my back. It was a perfect love when it first started. Can't believe what you do to me. Look what you do to me. Me hit a burst and it hurts my heart. Hurts my heart. Spirituality have nothing to do with theology or ideology. I hear me? I see I said it first. Feel their spirit when they come around. Don't trust them, they will wanna cut you down. Check their energy when they come around. Breathe them deep, they will wanna cut you down. No one I am very intuitive from my soul to the brain. Some find out them are energy drainer. So them can't take that spiritual flame. Yeah, when I shift and I shape and I lurk span that lane. Yeah. Telepathically me say you are the militant. You visit them from afar, you are the vigilant. So them can't drain the aisle out of me lamp. Right on the back of Mr. Milan, the one name. Feel their spirit when they come. Trust them, they will wanna cut you down. Shake them energy when they come around. Breathe them deep, they will wanna cut you down. So don't wanna do. Them will tell you, say them love you and them like you. But deep in on them heart, them a fight you. In front of your face, them a talk and a hype you. Behind your back and them not slack back by you. People like those, they don't want beside you. Spiritually, don't make them deprive you. In front of your face, them all a smile behind your back and criticize you. But I know why it's true that one day. Feel their spirit when they come around. Don't trust them, they will wanna cut you down. Toujours bien connecté Party Time, 106.3 FM, vidéo streaming sur le www.partytime.fr. On était sur le Nanajel Rhythm, on enchaîne directement sur le Exploser Rhythm. Juste après, c'est Iwi Jazz Live and Direct, interview freestyle, tu connais la formule, ça se passe comme ça tous les dimanches soirs de 22h à minuit en vivant en direct sur Party Time. Just walk away because we fight. Walk away. Maybe now there's a million reasons why we should be together. Mr. Ed Robinson. I don't wanna be alone tonight. Don't just walk alone away because we fight. On reste ensemble ce soir, together tonight. Ed Robinson, Explosion Rhythm. Even though you were right, yes, little lady, I was wrong. Can we fight? To keep you here, find a way for you to get over the hurt.
cause we fight. Baby, no, maybe there's a million reasons why we should be together tonight. I took one chance too many. One chance too many. And I got caught. One chance too many. But I know one thing's for sure. I learned my lessons well, real well. That a bird in my hand is worth a thousand in the bush. Whoa, I hear these them firing up, then can't get no food to eat. I hear these them crying, they're sleeping on the cold concrete. Can't get no food to eat, no. I hear the youths them crying. They're sleeping on the cold concrete, yeah. You have to do a little hustling. We have to make a little scuffling. Out that street, you know it's rough, yeah. Many youths are dying, and mothers are crying. Et on a continué sur l'Explosion Redeem avec le Frankie P, Frankie Paul. Youths them crying. Even on the cold concrete, yeah. I hear the youths them bawling out. They can't get no food to eat, no. I hear the youths them crying. They're sleeping on the cold concrete, yeah. Troisième de la série, l'homme s'appelle Yami Bolo. Destruction, while the people die from starvation. Jah is my light and salvation. Sing praise to the conquering lion. So much human rights violation. Rastafari liberate the population. Boy, stand at the boy. Break down the walls and set the captives free. To land the leading in captivity. Toujours bien connecté 106.3 FM jusqu'à minuit. Juste après, ça sera la suite des programmes. Vous êtes bien connecté aussi sur www.partytime.fr jusqu'à minuit, voire plus. On est en compagnie cette fois-ci pour la deuxième interview de la soirée du groupe Highway Jazz qui nous viennent en majorité de Montpellier. J'ai à mes côtés Agnès aka Peach, Monsieur Sam aka Mellow Mood et Monsieur Carl aussi en renfort qui viendra pour la deuxième partie d'interview nous donner aussi quelques renseignements. Bonsoir messieurs. Salut. Dames. Salut. Comment salut, ça bonsoir. Va salut. Ça va très bien. Alors je vous explique direct, pas de timidité. On est à la maison, il y a des Belges qui viennent passer avec plein d'humour. On va rester dans la même énergie, vous inquiétez pas. Okay. Je sais pas si vous êtes rodés à ça, mais en tout cas ce soir, c'est dans Party Time, on est entre nous, vous good. Inquiétez pas. Présentation de ce nouvel album qui s'appelle Irie, ça vient tout juste d'arriver, c'est tout frais, tout chaud. Ouais, depuis 2017. Ouais, voilà, 2017, cinq titres à retrouver, il y a eu déjà un album. On va commencer avec ça, on va s'écouter un extrait du premier album qui date de 2013, qui s'appelle Conscious Time, avec le titre Mama, et après on parlera du nouveau projet qui vient d'arriver en 2017, ça s'appelle Irie, un cinq titres, disponible avec le groupe Irie Jazz, tout de suite dans Party Time, avec Agnès, Sam et Karl en renfort. Que tu le veuilles ou pas.
d'abord grâce à elle que tu es là. Observe ma main, elle te réapprendra le savoir vivre et d'autres choses déjà en toi. Aime la maman, elle te le rendra à un niveau que tu n'imagines même pas. Protège ma main de la folie de l'homme qui nous met encore une fois dans de sales draps. Belle, généreuse, dévouée, nourricière, les hommes lui demandent tout et elle le fait pour qu'ils soient fiers. Danse, donne le sein et plus encore pour que eux, pendant ce temps, en face de l'or, ignore seulement ce qu'est l'amour. Mais du bâton, prends garde, à son retour, certains hommes ont compris comment la garder épanouie, d'autres faire la tromper avec la monnaie, c'est une maladie. Prends soin de maman, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à elle que tu es là. Observe maman, elle te réapprendra le savoir vivre et d'autres choses déjà en toi. Aime la maman, elle te le rendra à un niveau que tu n'imagines même pas. Protège maman de la folie de l'homme qui nous met encore une fois dans de sales draps. Massive et fragile, elle nous regarde immobile, en train de se demander si nous épargner serait pas débile. Y'a qu'à voir l'état de nos habitats, de nos corps, de nos vies, juste un amas de dégâts. Incapable, espèce dysfonctionnelle, qui met en danger toutes celles qui fonctionnent elles. Garde-toi du mal qui nous ronge, si tu stresses, allonge-toi, tu sauras si tu es sur la bonne voie. Maman te le dira, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à elle que tu es là. Observe maman, elle te réapprendra le savoir vivre et d'autres choses déjà en toi. Le morceau Maman avec la ravissante voix de Pitch Up qui nous accompagne ce soir et qui est Agnès avec Sam à ses côtés, Mellow Mood, pour présenter le groupe Highway Jazz. Là, c'était un retour en 2013 avec le premier album Unconscious Time. Un petit flashback histoire de resituer un peu la genèse de ce groupe. Alors je vous laisse vous présenter pour situer un peu l'esprit du groupe, parce que c'est un concept un peu, il y a des musiciens mais il n'y a pas qu'un chanteur ou deux, il y a plein de chanteurs autour qui gravitent. Je vous laisse vous présenter et après il y a plein de questions qui arrivent avec Duda. Ben, en fait on a commencé dans ce système là en 2012 avec quelques musiciens. À l'époque il n'y avait pas encore tous les musiciens, notamment les cuivres du groupe. En 2012 on a commencé à former le groupe et on a commencé dans le principe de backing band, donc on n'avait pas de chanteur attitré. On a sorti notre premier album qui réunit 7 chanteurs, donc on vient d'écouter là un extrait. Et à partir de là on a commencé à travailler plus précisément avec Agnès, Peach, Louis et Jules, et on a décidé de sortir un EP qu'on a commencé en 2015 qu'on sort là en 2017, où il y a plus que 3 chanteurs, Peach, Joule et Louis. Et voilà, et pour, bon, mais pour dire un peu, peut-être avancer l'interview, mais en fait là maintenant on travaille plus qu'avec Agnès. Et donc on a décidé de former le groupe autour d'Agnès. Et voilà. Pas de stress. Tranquille. Ouais, pas de soucis, c'est pas facile de faire une histoire de 5 ans en 30 secondes, mais pas de soucis. Bon, ça va? Ça va. Tout va bien? On est au top. Oulala. Alors, non, mais justement, non, pas oulala du tout, mais non, c'était, voilà, c'était histoire de mettre tout le monde bien, quoi. Donc, le nom, c'est Airy Jazz. Donc, on conçoit aisément que c'est une combinaison de deux mots qui vous sont chers et de deux courants différents, Airy et Jazz. Et alors, justement, ici, c'est une émission reggae. Donc, Airy, bon, ça n'a pas posé trop de soucis pour les gens à comprendre. Maintenant, je voudrais que vous donniez une définition du jazz pour ceux qui ne connaissent pas cette musique. On peut essayer d'en donner une définition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le reggae, à la base, vient du jazz. Il ne vient pas que du jazz. Mais en grande partie, il vient du jazz. Alors le jazz, c'est une musique qui est née au début du siècle aux États-Unis et qui en fait a influencé bon nombre de styles plus récents, notamment le rock, le reggae. Mais le reggae, à la base, c'était le ska.
Et donc le ska, les premiers gens qui jouaient du ska, c'était des grands connaisseurs de jazz. Mmh. Ils ont adapté bon nombre de standards de jazz. Il y a des morceaux d'Escatalite, il y a Caravan. Enfin, plein de standards de jazz qui étaient adaptés en ska. Après, le reggae est arrivé, découlé du ska. Mais en fait, pour moi, le reggae vient vraiment du jazz, pas que. Il vient aussi du blues, il vient aussi de la calypso. Il vient aussi de ce qui s'est passé à Cuba. Mais enfin... voilà, c'est, je pense que le jazz, c'est un peu la musique mère de toutes les musiques que l'on connaît maintenant. Pour nous, c'est un petit hommage, on aime beaucoup ça. Donc, je ne sais pas expliquer ce que c'était que le jazz, mais bon. Non, en fait, t'as expliqué un petit peu. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens comprennent bien. Après, je sais que c'est très dur à expliquer parce que le jazz, c'est hyper, hyper large. Mais techniquement, comment ça se représentait comme type de musique, en fait, les caractéristiques. Le jazz ouais. Bah, le jazz, c'est une musique populaire, donc c'est à la base des chansons. Il y a aussi tout ce qui a été fait à Broadway, donc beaucoup de chansons pour les comédies musicales. Après, ça a été, toutes ces chansons-là ont été rejouées par des improvisateurs et beaucoup de saxophonistes, trompettistes qui ont plus abordé le côté improvisation plus que le côté parole dans les chansons. Et à partir des années 50, bah, il s'est mélangé cette histoire de la chanson et cette histoire de l'improvisation créée par des gens comme Charlie Parker, Dizzy Gillespie, etc. J'aimerais juste rajouter que le jazz est une musique libre, évolutive et non conventionnelle. Yes. Oui, tout à fait. C'est une musique libre par excellence. Ça est arrivé jusqu'au free jazz, que moi, personnellement, je suis moins fan. Mais c'est vrai que les premiers improvisateurs qui ont libéré cette musique étaient vraiment... côté de libération de la musique, d'expression, voilà, il y a par exemple le premier album de Charlie Parker où on est arrivé aux 33 tours et donc on a pu enregistrer plus de 3 minutes et donc enregistrer des phases de 15 minutes, des choses comme ça. Je suis pas bien connaisseur des vinyles, mais ça, en gros, c'est passé comme ça. Et sa première session lui à Charlie Parker, c'est qu'il a réuni tous ses amis et ils ont fait un morceau, des morceaux qui duraient 10 minutes, 15 minutes, où tout le monde improvisait avec jam. Jam Session. Son album s'appelle Jam d'ailleurs, sorti en 50, 52, quelque chose comme ça. Et donc c'est la libération et c'est l'improvisation. Et à partir de là, les Scatalites ont été grands fans de jazz et eux, ils improvisent beaucoup. Le ska, à la base, il y a eu du texte, mais il y a aussi une grosse partie du ska où il n'y a pas de texte, c'est que de l'improvisation. Et ils se sont calqués sur ce que faisaient les jazzmen aux États-Unis. Et alors, vous, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de regrouper ces deux courants pour les pratiquer sur scène ? Bah, nous, on écoute beaucoup de jazz, on en joue beaucoup. Tous les membres de ce groupe-là ont des groupes de jazz à côté. Bon, pas moi, personnellement, je joue que du reggae. Et Agnès non plus, mais Agnès, tu chantes, tu connais des morceaux, Billie Holiday. On écoute aussi beaucoup de reggae. Et on s'est dit, bon, on va essayer de, entre guillemets, réunir les deux styles. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'on ne les réunit pas. Ça fait longtemps qu'ils sont réunis. Sont liés, voilà. Ça fait très très longtemps. Et nous, c'est un peu un hommage un peu aux deux styles qu'on essaie de mettre dans un nom. C'est-à-dire, IWI, vraiment une expression jamaïcaine qui veut dire tout ce qu'on connaît. Et jazz, avec un petit H au milieu. Un peu comme Monty Alexander. Oui, voilà, tout à fait. Lui, c'est vrai qu'il a vraiment encore plus opté sur le côté jazz, alors que nous, maintenant, on a peut-être plus opté du côté du reggae, avec travailler le rythme et vraiment le groove des basses batteries qui se fait en Jamaïque. Voilà. Et donc, vous dites tout à l'heure que vous avez débuté en tant que backing band. Donc, ça, vous étiez un groupe, en fait, d'instrumentistes pour jouer derrière des gens qui chantaient. Mmh. Comment ça s'est passé le pont à maintenant travailler vraiment et intégrer des chanteurs-chanteuses à part entière ? Des compos, faire des compos, créer. Bah, ça s'est passé naturellement en fait, on travaillait avec beaucoup de chanteurs et puis... au départ, c'était plus de l'association d'un texte ou même carrément d'un a cappella au final et d'un rythme, soit déjà existant, soit vos compos. À l'époque, c'était ça. Oui, c'était assez Et puis petit à petit, on a commencé à créer ensemble, quoi. À prendre le temps de créer ensemble. Mmh. Avec le temps, on est arrivé à travailler plus régulièrement avec Agnès, Louis et Jules, qui étaient peut-être qu'on voyait plus souvent en tout cas. Puis on s'est dit, tiens, on va travailler avec et ils ont essayé de commencer à travailler un trio vocal. Mmh. Et puis donc on s'est dit, tiens, on va travailler avec ce trio vocal. Après, là, justement, Jules et Louis, à la sortie de cette EP, ont eu d'autres aspirations musicales, on va dire. Et donc, on est passé à...
ils ont arrêté. Maintenant, on est passé de 11 à 8. De 11 à 8. Maintenant, il n'y a plus qu'Agnès au chant. Et les deux cuivres ont repris le travail des chœurs. Ouais, Sagittarian, c'est la section cuivre. Tout à fait, exactement. Mais du coup, ça, c'est, voilà, on est arrivé sur ce trio vocal de Jules, Pitch et Louis avec le temps. Et puis là, Jules et Louis nous ont quittés, il n'y a plus qu'Agnès. Mais c'est en laissant le temps se faire qu'on a affiné les choses, peu, on va dire. C'est un peu comme le jazz, c'est évolutif. Ouais, c'est voilà. C'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé le groupe, on n'avait pas d'optique de travailler avec telle personne, on travaille avec tout. Il y a plein de chanteurs dans toutes les villes, à Montpellier il y en a plein aussi, donc on a travaillé avec plein de gens qui venaient pas du reggae et d'autres qui venaient du reggae, et puis voilà, après avec le temps on s'est dit bah, tiens, ça peut être intéressant, mais au début on n'avait pas forcément d'idée précise de ce qu'on voulait faire par rapport à maintenant. On a laissé les choses se passer. On s'écoute un petit extrait. Voilà, on s'écoute un extrait du nouveau projet qui vient de sortir. Ça s'appelle Irie. C'est un EP 5 titres. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un EP 5 titres qui vient de sortir, qui est désormais disponible. C'est bien ça, sur les plateformes de téléchargement légal. Et il y a le vinyle aussi que Karl tient dans ses mains, que vous voyez à l'antenne. Le beau vinyle aussi que vous pouvez vous procurer. On va en parler dans quelques minutes. On s'écoute tout de suite le premier extrait. C'est la track numéro 1 de ce EP Irie. Ça s'appelle Into the Dub, le groupe Irie Jazz dans Party Time. Le morceau Into the Dub, premier extrait ce soir de Irie, le nouveau projet du groupe Irie Jazz, le CD 5 titres disponible dans les bacs et en... Ah non, c'est pas celui-là, pardon, ça c'est l'ancien album Unconscious. Il est là. Voilà, c'est Juju qui l'a. Yeah. Il apparaît à la caméra, le nouveau projet que vous pouvez vous procurer. Donc, il est sorti dans les grands réseaux, les petits réseaux, c'est ça? Comment ça se passe? Dites-nous tout. Du coup, le CD, on peut le trouver sur nos concerts ou sur commande. D'accord. Le vinyle, on peut le trouver chez Mando Crucial Tempo, un shop sur Internet. Et au Skanking Shop de Montpellier, un magasin de vinyle de Montpellier. Assez réputé, je crois. Ouais.
Et du coup, sinon, un numérique sur toutes les plateformes. Est-ce qu'on peut donner l'adresse pour les commandes? Oui, l'adresse de mon... Ah, pour les commandes. Si les gens veulent commander, par exemple, à distance. Yes. Parce que tout le monde n'habite pas Montpellier. Alors, il faut qu'on... l'apprendre, mais il y a des gens qui habitent ailleurs. Donc, imaginons qu'ils veulent, ils peuvent commander à distance. Oui. Du coup, le CD, on contacte Pasteur Juran King et j'en profite pour lui faire une dédicace parce que c'est mon frérot, du coup, qui s'occupe de ça. Donc, il faut juste contacter... Sur Facebook ? Ouais. Pasteur Juran King Ju. Sur Facebook, voilà. Et tu lui passes un message et il s'occupe de tout. Et sinon, au gré des dates. Et voilà, exactement. Sinon, ça vous obligera à venir dans mon concert. Voilà. Donc, c'est un hippie. Donc, comme dans les années 60. Ah bon ? Bah oui, c'est ça. Non, mais c'était, je me parlais moi-même en fait. Hein, c'était voilà. D'accord. Mais donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'un hippie, c'est donc contrairement au LP qui est long play, puisqu'on parlait de vinyle tout à l'heure. Donc, c'est un truc qui plaît plus, qui joue. Plus court, on va dire, oui. Si je sais pas si je suis clair. Hein. Oui. Donc, en gros, il y a moins de morceaux. Grâce voilà. À la lumière, t'es clair. Ouais. En général, c'est un prélude à un album. Est-ce que vous prévoyez un album derrière celui-là oui. Ou est-ce que c'est un choix technique? Parce que ça peut être aussi un choix technique de faire des hippies, parce que tu peux faire par exemple des morceaux plus longs. Tu vois. Ça rigole dans le studio. Ça rigole. Excusez-nous. Hein. Nous, on est sérieux. Bref, je vais m'embrouiller. Ouais. Est-ce que voilà, c'est une stratégie purement commerciale de sortir non. Un EP avant peut-être un album ou faute de moyens, faute de temps, on sort un EP? C'est pas dans une optique commerciale, ouais, ça s'est plus fait comme ça. À l'époque, on était avec Jules et Louis, on s'est dit on va essayer de poser 5 titres et puis après faire un album. Okay. Ça a mis le temps que ça a mis pour les mixer, les sortir, tout ça. Et il faut préciser qu'on l'a enregistré quand même il y a deux ans. Ouais. Voilà. D'accord, le temps de le faire sortir. Voilà, etc. Mais effectivement, on a prévu de sortir. Un album. Enfin, on a prévu déjà ouais. d'aller enregistrer un album, ouais. Qui complétera cet hiver. Alors, ouais. Qui complétera, ouais. Mm-hmm. Et puis, je pense aussi parce que là, effectivement, il y a Jules et Louis qui chantent sur cette EP, hein, mais là, ils nous ont quittés. Enfin, pas de la terre, hein, mais du groupe. Donc, du coup, vous pouvez pas le défendre comme vous voudriez. C'est pas ça. On c'est surtout qu'on a beaucoup de. Maintenant, on joue le répertoire de Peach. Et c'est vrai que du coup, en fait, on a très peu enregistré de son répertoire. Ouais. Et du coup, on aimerait sortir un album où là, on a 10, 12 compos là, qu'on n'a jamais enregistrés et qu'on aimerait aller enregistrer. Représentatif voilà. De... Vraiment de ce que l'on est actuellement. Voilà, donc pour résumer, la nouvelle formation maintenant qui s'est réduite à 8, avec le groupe et la chanteuse Peach, maintenant vous allez travailler un nouvel album, par conséquent. Yeah. Voilà. Tout à fait. C'est ça ? Exactement, c'est ça. Et on espère... Voilà. Il faut savoir réduire voilà. les phrases à 30 mots. Yes, voilà. Super. Alors j'avais une petite question. Alors le problème, c'est que j'ai pris des notes, mais je pense que je mais me suis embrouillé. En braille. Non, je pense que je me suis embrouillé dans mes notes parce que j'avais fait une numérotation, mais qui correspond pas à ce que je vois derrière, donc je sais pas comment j'ai fait. Mais en tout cas, donc je sais plus à quoi ça correspond. Mais il y a une chanson non plus. Où le vocal commence tard. Il y a une chanson où le vocal commence tard. Que les voix arrivent tard. Sur le premier album alors. Sur celui-là. Celui-là. Ah, ça doit être. Il y en a. Celui de. La voix tard. Arrive tard. C'est sûr, c'est pas l'album de Paco Jazz que t'as écouté, non? T'es sûr que c'est pas sur l'autre, Unconscious Time, t'aurais pu l'écouter sur un... Non, je crois pas. Hein. Attends, on me fait voir ça. Ou justement, il y a un morceau avec Ilias Smith. Sinon, on coupe, on fait un montage et puis on reprend l'émission après. Voilà. Bon, Judas, c'était quoi ta question? Bon, alors. Bon, ma question, peu importe. Imaginons qu'il y a un morceau où le vocal commence tard. Qu'est-ce que ça amène, en fait? Est-ce que c'est une manière... Enfin, moi, je trouve ça intéressant, comme techniquement parlant. Parce que du coup, ça pose une couleur avec l'instrumental qui se déroule dès le début. Et le lyrics, enfin, je trouve ça, voilà, ma question c'était par rapport à ça. Qu'est-ce qui passe par la tête pour faire un truc pareil? Parce que c'est un truc dont on n'a pas l'habitude. Et je trouve ça charmé comme concept. C'est peut-être qu'on a peut-être moins l'habitude actuellement dans le reggae. Je sais pas, hein, peut-être que tu me dis, mais enfin, peut-être que dans le reggae actuellement, les mecs rentrent pas actuellement, mais même dans le temps, rentrent direct dans le morceau, oui, enfin, dans le direct reggae, dans ou, les premières ou, mesures, ou toutes sortes de chansons. Ou toutes autres sortes de chansons, c'est vrai, tu vas me dire. Le reggae traditionnel. Je sais pas, en fait, parce que j'arrive pas à répondre à la question, mais parce que en fait, je pense surtout que c'est parce que
voilà, c'est plein d'instrumentistes et d'improvisateurs dans le groupe. Et l'idée, c'est pas de faire un groupe à chanteurs, c'est un groupe, vraiment. Du coup, on essaie de laisser la place autant aux instrumentistes qu'aux chanteurs. À part égale, enfin, entre les chants et les instruments. À part égale, j'en sais rien, mais le plus possible. En tout cas, là, je sais pas lequel morceau tu parles, mais c'est vrai que dans les... Je sais plus non plus. Dans ce truc-là, en tout cas, c'est pas quelque chose forcément qui est réfléchi, de se dire, tiens, on va mettre le chant rentré plus tard. Mais en tout cas, le morceau est venu comme ça, et ça nous est paru naturel qu'il soit comme ça. D'où le rapport un peu au jazz, c'est un peu freestyle, on va ouais, dire. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de règle en tout cas dans quand est-ce que le chant doit commencer ou pas, en tout cas. Il faut essayer de trouver. Pourquoi je disais ça? En fait, c'était dans un but bien précis. C'était pour revenir à une comparaison. Parce qu'en fait, c'est Airy Jazz. Donc on a dit, ok, il y a un côté jazz, il y a un côté reggae. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, pour l'instant, on est clair. Dans le reggae, il y a le dub. Okay. Et moi, le dub, pour moi, le dub, c'est justement, c'est un petit peu, je vois ça un peu comme du jazz. Dans le sens où c'est un peu freestyle, où ça va, ça vient, c'est pas vraiment prévu. Et donc, pourquoi je parlais de ce morceau-là, c'est que finalement, ce morceau-là, c'est un morceau qui n'est pas dub, puisqu'il y a un vrai vocal dessus chanté, mais qui pourrait s'apparenter à du dub d'une manière jazzy. Je ne sais pas si j'étais très clair. Moi, quand j'y ai pensé, c'était clair pour moi, en fait, en tout cas. Voilà, et je trouvais ça intéressant de le souligner parce que c'est. Fifi, tu pourras le ramener après, s'il te plaît. C'est pas forcément commun, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, tout à fait. Si tu veux, cette démarche sur ce morceau, je la trouve très jazz dans la technique du jazz dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui. Ben, je pense que c'est peut-être pas un hasard, mais que ça découlait de notre. Pas inconscient, mais notre. On l'a pas fait exprès, mais je vois ce que tu veux dire. Monsieur Karl, vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est clair. Enfin, je pense que ça nous est paru naturel de faire ça et. Voilà, on a trouvé ça super et ça s'est fait, quoi. Et, mais en tout cas, effectivement, vu que le résultat te plaît, ça nous met peut-être une puce à l'oreille. On dira, la prochaine fois qu'on composera, on essaiera de faire ça, pas de manière naturelle, mais réfléchi, peut-être. Voilà, je pourrais peut-être appeler le morceau « Blues Party ». Ouais. Ça peut être sympa, ça peut être un beau carrément. Coup d'œil. Au bout de 3 minutes 45, la voix arrive. Ça peut être « Blues Party ». Très rare. Voilà, spécial dédicace sur Laurent de Plate. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que chaque morceau, finalement, quand t'écoutes le truc dans son intégralité, t'as un peu une rétrospective, on va dire, de la musique jamaïcaine. Ouais, c'est homogène. Et tout en restant dans votre vibe, et on a compris qu'il y avait une couleur, une certaine direction et tout, mais les morceaux sont différents, et en fait, ça pourrait faire plein de petits chapitres. Voilà, donc c'était pas vraiment une question, ça, c'était plus une constatation et vous dire que j'avais apprécié ce système de. Voilà, on retrouve un petit peu tous les trucs qu'on aime à chaque fois traités de diverses manières, quoi. Ok, cool. Moi, j'ai une petite question. Ça serait quoi votre. Pour vous, l'aboutissement sur un point de vue musical, par exemple, un featuring, une collaboration, une rencontre vraiment idéale en tant qu'amateur de jazz? N'importe laquelle vaudrait le coup. On a eu l'occasion récemment de travailler un temps avec Cédric Maïton et aussi un temps pour le ski de travailler un peu avec des rajas, ouais, rapidement, voilà, et de travailler un peu et surtout plus pour pitch avec Papé G de Marseille. Papé, bise à toi si tu nous entends. Voilà, donc Ayoli. Ça, c'était par exemple des gens plutôt connus, mais qui étaient c'était des chouettes collaborations. Après, dans les collaborations, c'est vrai que des fois, on peut faire aussi des collaborations avec des gens qui ne sont pas connus et qui peuvent être géniales. En matière de jazz, ça peut être aussi vocalement. On a travaillé avec plein de gens de Montpellier, avec des gens qui chantent depuis longtemps, comme Ranking Siden, Djalé, Bardi, Sidia. Voilà, on a travaillé aussi un moment avec Adil Smali. Enfin, ça c'était des super collaborations et c'est, pas fini. C'est surtout le travailler avec les gens. On a aussi travaillé avec des musiciens qui n'étaient pas forcément connus, mais qui sont venus et qui continuent de venir jouer avec nous de temps en temps, comme Olivier Dulion, trompettiste. Bah là, Daniel, il va falloir qu'on s'entraîne sur Pitch Up. Hein. Daniel Moreau, pianiste. Pianiste. De jazz qui est au conservatoire, professeur, un groupe de musique éthiopienne, enfin super musicien. Voilà, on a joué avec Julien Rollet aussi. Julien Rollet, super guitariste qui a joué avec Fanga, voilà. Rockers, enfin, Tony Allen. Voilà. C'est un mec. Et c'est des super collaborations un peu dans l'improvisation, c'est des gens qu'on rencontre. Et ça, excuse-moi, c'est un escroc. Karl est un escroc, il n'a pas l'accent. Il vient de Montpellier, mais il n'a pas d'accent. Alors moi, je suis gabonais et j'habite depuis 2004 à Montpellier. D'accord, voilà pour la raison de l'escroquerie, d'accord. Alors il faut quand même que, un peu comme Pitch et monsieur, il faut avoir aussi
L'accent du sud. Ouais. Bah, je peux l'avoir. Fashion télé cigale dans la bouche. Je peux avoir l'accent du sud. Je peux parler comme ça, avoir un peu le pain. Un gabonais du sud. Elle est belle celle-là. Marine, prends-en la graine, c'est ça la France d'aujourd'hui. Ah, Marine. C'est ça la France d'aujourd'hui, Marine. Bon, sur cet album de Peach, comment ça va se passer? C'est quoi ta ligne directrice, toi, ton influence? Tes influences, c'est quoi, toi? Parce qu'on parle de jazz depuis tout à l'heure, mais en reggae. En tant que chanteuse. Pas mal de choses, mais j'ai écouté du reggae tard. Vraiment, c'est pas ce que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai écouté pas mal de choses très différentes, autant du jazz, du rock psyché. La musique des années 70. Mais il n'y a pas une artiste par définition qui te... Disons que aussi, j'aime bien dire que c'est un peu mes profs de chant imaginaires. Mmh. J'ai des amis imaginaires. Ella Fitzgerald et Lauryn Hill, vraiment des chanteuses. Parce que, je dis ça parce que vraiment, voilà, il y a le côté jazz et improvisation vocale et puis aussi le côté vraiment lyrics et débit. Pas forcément chanter. Mmh. Voilà. D'accord. Mais il y a plein d'autres gens qu'on pourrait citer. J'aime bien quand on cite des gens. Je sens, alors je trouve que vous avez une vibe assez tranquille, on va dire, calme. Toi, je te vois boire, alors je sais pas ce que c'est. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah, je pensais que c'était plus une tisane. T'es assis un petit peu en mode yoga. Est-ce que justement ça va de soi avec cette approche un petit peu jazzy du reggae, justement cette manière d'être assez laid back et de cool attitude, quoi, d'être un peu en méditation? Je pense que c'est surtout le week-end à Paris. Enfin, on a joué à Lille jeudi, on a joué à la Main d'œuvre à Saint-Ouen vendredi. Et hier, on s'est baladé, on a profité, et je pense qu'on est surtout fatigué. Donc, on n'est pas des gens très très rapides non plus, quoi. Les gens du sud, il y a une lassivité. Mais il fait chaud. Mais après, c'est qu'une partie des membres du groupe, parce qu'on a quand même un saxophoniste ultra chaud. Celui qui dormait, tu veux dire? Non, il n'est pas là. Faut le voir sur scène, justement. C'est un peu le communicant avec le public qui est là, qui fait sauter la foule et tout. Donc. Ouais, voilà, je pense pas qu'il y a un petit lien entre notre énergie de maintenant et notre week-end. Et alors, justement, vous parliez de live. Excuse-moi, je vais te couper, il est 23h58. Dans deux minutes, on va rendre l'antenne concernant la FM pour la suite des programmes de Fréquence Paris Pluriel. Je vous invite à basculer, pour ceux qui ne le sont pas encore, sur le www.partytime.fr. On va continuer la fin, l'interview, bien sûr, et le live que tout le monde attend du groupe I We Jazz. On termine la question. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine sur la bande FM à partir de 22h jusqu'à minuit. En attendant, c'est la suite des programmes. Merci de nous avoir suivis sur le 106.3 Fréquence Paris Pluriel. Rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Nous, on continue sur Internet. Je t'en prie, excuse-moi de t'avoir coupé. Où j'en étais, ouais, des histoires de live. En live. Donc, vous avez dû avoir affaire, j'imagine, à deux types de publics, parce que vous vous produisez un peu dans deux sphères différentes. Non, on a eu affaire à toutes sortes de publics, vu qu'on essaie de se produire dans toutes sphères. En fait, j'ai mal posé ma question. Vas-y. Non, ma vraie question, c'était... Toi, tu vas passer à la compta mercredi matin, c'est au deuxième. C'était, est-ce que vous sentez des différences de réaction, par exemple, quand vous jouez dans un public vraiment reggae, comment les gens réagissent par rapport à telle partie ou telle partie? Et est-ce que vous êtes déjà arrivé de jouer devant un truc vraiment, un public vraiment jazzy? Et comment est-ce qu'ils réagissent à ce moment-là aussi? On est arrivé devant... Ouais, ça nous est arrivé de jouer dans un public, on va dire, entre guillemets jazzy, dans le sens où c'est des personnes qui viennent plus écouter la musique que danser. Et donc, effectivement, par exemple, quand on a joué au Jam, qui est une école de jazz à Montpellier, avec qui on travaille en partenariat d'ailleurs, c'est arrivé que les gens étaient assis et au bout de 5 morceaux, ils étaient debout en train de danser. À la fin du concert, ils nous ont dit « c'est dommage, enfin, on a joué dans des théâtres ». Aussi, par exemple, avec les Sagittarianes, qui est un groupe de ska. Bon, c'est quasiment la même formation. Mais pour dire que oui, ça nous est arrivé de jouer du reggae dans une salle, une bibliothèque, où tout le monde est assis. Et à la fin, ils disaient « c'est dommage, on avait envie de danser ». Et c'est aussi, à la différence de jouer dans un public qui est uniquement reggae, ils étaient contents de dire « c'est super, votre reggae est bon, mais en plus de ça, il est influencé ». Il y a beaucoup d'influences, du coup, ça nous change, quoi, et ça nous emmène ailleurs. Autre chose qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Voilà. Yes. Mais, du coup, c'est toujours sympa. On a un morceau encore à écouter, comment ça se passe, Frankie?
Oui, exactement. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, concernant les dates, on va quand même rappeler aussi qu'il y a des dates qui arrivent. Mmh. Alors. Alors, les dates qui arrivent, la prochaine date est à Montpellier. Ce sera le 20 mai sur une place organisée par un ami à nous. Ensuite, on joue en juillet, certainement Zen Garden, mais c'est en pour parler encore. Du côté de Bagnoles. Du côté de Bagnoles. On a d'autres dates vers Perpignan. Après, on joue aussi en août au One Love Festival. C'est Izzy Ashaka, un chanteur de Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je le connais. Qui organise le One Love Festival. Donc, on jouera là-bas en août. Et puis, on revient à Paris en septembre aussi, dans un festival d'art urbain, en fait, qui s'organise à une demi-heure en banlieue d'ici. Je ne sais plus exactement l'endroit, mais bon, on donnera les informations. Voilà, vous nous ferez d'ici là. Ça. Et puis voilà, sinon vous allez sur Airy Jazz sur Facebook et sur notre site, vous allez trouver toutes les dates que j'ai pas en tête malheureusement. Alors, voilà. Airy Jazz, je le rappelle, c'est A-I-R-I-E, plus loin J-A-H-Z-Z. Il y a deux Z, voilà. C'est bien ça ? C'est ça. Parce bah, comme que dans ça le va, jazz, Z-Z. C'est ça ? Voilà, exactement, ouais. C'est bien. Mais ouais. Avec le mot, le jeu de mots avec Ja, Dieu. J'avais bien compris. Voilà, excuse-moi. Non, mais les deux Z, c'était voilà. C'est, hein, voilà, c'est... Je vois. Voilà, c'est voilà, mieux. C'était la minute littéraire. Et moi, j'avais une petite dernière question, rapport au susnommé Le Comte de Paname. Oui. Alors, qui savoir qui c'est, et comment que c'est, et pour ce faire. Alors, son nom, c'est Louis, c'est le chanteur dont je parlais avec Jules qui a arrêté et qui chante sur l'EP de 5 titres et sur le premier album. Et il est de Paris. Et voilà, c'est nous qui l'avons appelé le comte de Paname dans le sud, parce qu'il a une très parce qu'il a un côté parisien, enfin très parisien. Je ne vois pas si on va dire ça. Non, c'est pas un côté parisien, on va pas dire. Non, c'est con de dire ça. Mais... Ouais. Il y a de tout à Paris, mais enfin, il nous a. Non, mais après, il y a beaucoup de casse-couilles à Paris. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. C'était pour le chambrer un peu, et puis voilà. Bon, maintenant, il a arrêté avec nous et il joue son propre groupe. Mais c'était super de jouer avec le comte de Paname qu'on a appelé comme ça parce qu'il est de Paname. Et ben voilà, il y avait le duc de Boulogne déjà. Vous avez répondu à ça. C'était un peu une réponse. Vous avez répondu à ma question. La famille royale. Et j'ai une dernière question, ce sera pour toi. C'est donc par rapport à tes lyrics. Ouais. Quel est le message que tu veux faire passer? Et est-ce que justement cet outil qui change, auquel on n'est pas habitué d'être dans un truc plus instrumentiste, on va dire, est-ce que ça aide à faire passer le message? Est-ce que c'est plus un truc pour s'appuyer dessus? Je commence par celle-là. C'est jamais simple, hein, mais c'est que moi-même j'essaye de, tu vois, m'y retrouver. Il essaye de comprendre ces questions. Ça se fait comme ça. Il se trouve que la rencontre, elle fait que notre musique, elle est comme ça. Et on essaie d'adapter. C'est de rôle, tu vois, le texte et la musique. Pas plus. Enfin, évidemment que c'est un soutien. Sans musicien, c'est comme sans version. Enfin, bon, voilà, je chanterai pas à cappella. Bref. Mais ça s'est fait comme ça, simplement, c'est comme ça qu'on fait notre musique. Et ta première question, c'était Je sais plus, mais par contre, j'en ai une autre. C'était je veux parler. Ouais. Simplement, j'essaie juste de raisonner par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Et humblement, mes expériences de vie ou mes réflexions par rapport à comment essayer d'évoluer, de s'épanouir dans l'époque dans laquelle on vit. Ok. Et donc, en fait, les morceaux sont créés collectivement, enfin, le côté instrumental, je veux dire. Et après, toi, par rapport à ça, tu construis quelque chose avec des mots? Non. Ou pas? En général, j'arrive avec un texte que je leur propose. Un texte où il y a déjà en général une mélodie écrite et eux essaient de trouver quelque chose pour mettre autour, voilà, pour essayer de trouver tout le reste, quoi. Ok. La signification du mot mermaid? Sirène, voilà. Mm-mm. Merci, c'était une question d'un auditeur. Ok. Merci.
Eh ben c'est, je trouve ça pas mal. Mmh. On a bien. Moi, je connaissais Minute Maid et je connaissais pas Mermaid, c'est pour ça, je savais pas c'était quel parfum. Et d'ailleurs, tu noteras Barmaid que c'est assez... aussi, Barmaid. Ouais, bah justement, je voulais parler de ça, ça c'est assez marrant. Parce que Mermaid, donc c'est la sirène. Mm. Barmaid, on sait que c'est une barmaid. Mais le bar, c'est un poisson aussi. Et dans les bars, on ne boit pas coup... que de l'eau, justement. Donc, non, mais... Du coup, ça fait moitié sirène, moitié bar. Vois, faut... Excellent. C'est assez intéressant. Non, mais il faut se poser la bonne question. Parce qu'il faut aller au fond des choses. Non, mais c'est... Je ne sais pas ce que tu as mangé, ce que tu as bu, ce que tu as. C'est créatif. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Et je suis en train de m'étrangler avec mon casque, c'était mal. Et c'est pour ça, du coup. C'est pour ça. Et qu'est-ce que je manque d'air. Vous voulez rajouter quelque chose? J'espère bien. Je pense qu'on a tout dit. On a dit qu'il y a des dates qui arrivaient très bientôt du côté de Montpellier et un peu partout aussi. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous voulez qu'on vienne jouer n'importe où. Voilà, via tous les promoteurs, tous les producteurs, tous les tourneurs de soirée. Si vous cherchez un groupe OP orienté reggae jazz, n'hésitez pas à les contacter sur leur page Facebook. Sinon, vous nous contactez, on fera suivre. Bien sûr, avec le groupe I Will Jazz, on s'écoute tout de suite le troisième et dernier extrait. Et après, on ramène les instruments et on se fait plaisir en live dans les studios de Party Time. Tout de suite, le morceau Sirène Mermaid, extrait de I Will, le nouveau concept, le nouveau EP de I Will Jazz à retrouver en attendant l'album de Pitch Up en 2017, 2018, 2019. On a tout le temps d'attendre ça tranquillement. Tout de suite, Mermaid pour finir cette interview. Deuxième extrait ce soir du EP 5 titres Irie sorti il y a quelques temps. Il est déjà disponible en tout cas en téléchargement légal bien sûr. Et,
à vous procurer à la rencontre du groupe sur une date. On vient de s'écouter le morceau Mermaid. On va se découvrir encore quelques morceaux du répertoire de Pitch Up accompagné du groupe Irie Jazz. On attend le nouveau projet avec impatience. Ça sort très très bientôt. En attendant, mettez-vous sous la dent. Ce projet 5 titres à retrouver. C'est tout de suite l'heure du freestyle dans Party Time. Irie Jazz et Pitch Up. Ok, alors on va commencer par Undiscount Table, un morceau que j'ai écrit avec Barb SD. Enfin, pour Barb SD. All walking together, not disputable. We love and we peace, but not always easy to handle. Not discountable. We witched and we witched free, all walking together, not disputable. We love and we peace, but not always easy to handle. Lost, damn lost, and them against us. So we puff and we bluff to carry on and make impossible stuff. We never stop, some say we never soft. When it's about bringing music right to the top, some say we never joke, but they don't know how much we love. And when it sounds cool, we can not really stop. We are not discountable. We witchy and a witchy free are all walking together, not disputable. We love and we peace, but not always easy to end. Not discountable. Witchy and a witchy free are all walking together, not disputable. We love and we peace, but not always easy to end. This is what we bring. We do not do nothing. Give me that swing. Creators, no eaters. We have one destiny. Making rubbish and for one and not making them free. Warriors, warriors, cause they do not agree. When you're doing something without talking bad money. Dreamers, overs, heroes, sweepers, we do not have no fear. Except from the one who really takes and really gives. Not countable. This is not disputable. We are not discountable. This is not disputable. Creation, creation, this is what we bring. Creators, no eaters, we have one destiny. Warriors, warriors, cause they do not agree. Dreamers, lovers, eaters, sweepers, we do not have no fear. We do not do nothing if you not give we that swing. Making vibration for one and not making them free. When you're doing something without talking about money. Except from the one who really takes and really gives. Not discountable. We witched and a witchy free are all working together. Not disputable. We love and we peace but not always.
it when they're not this countable. We reach it and we reach it, we are all working together, not disputable. We love and we peace, but not too easy to handle. Oh damn, lost, 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 lost. It am rough, rough, rough against us, us. So we puff and we bluff, bluff. To carry on the making pussy better stuff, stuff. Featuring Airy Jazz à retrouver pour le prochain projet. On attend ça. Deuxième extrait tout de suite. All right. Ready, straight. On s'enferme. Ok. Right. On est en direct. Ok, super. Tout va bien. On s'enferme parce qu'ici faut se protéger de tout. Je m'enferme parce qu'ici faut se méfier de tout. Le problème c'est qu'ils nous mentent et nous mettent à bout, jusqu'à même nous faire peur, dissoudre nos crews. Faut que tu comprennes que je me rends pas compte et toi non plus, que toutes ces lois sont mal faites et faites pour nous la mettre au cul. Je m'enferme, isole des autres et d'un peu tout, je m'écarte même des miens aussi, mais c'est juste au cas où. C'est l'enfer dans ma tête, y'a plus rien à faire. On dit que l'homme se freine, mais moi je vois juste que plus rien ne l'arrête. Ce qu'il faut faire, à vrai dire, j'y connais pas grand chose, mais peut-être bien que tu serais plus efficace si tu lâchais ta dose de blême, de merde, de prod, de thunes et de fausses angoisses. Tu sais que si tu vis que comme ça, t'attirer la poisse, la grandiose osmose n'est engendrée que par le cosmos. Alors sors de ta psychose et pour ta cause, boss. Sur cette terre, on s'enferme, c'est l'enfer. Oh, on s'enterre, sur cette terre. On s'enferme, c'est l'enfer. Oh, on s'enterre. Certains s'enferment parce qu'ils se sont trompés d'ennemis. Pris au piège par les médias, ils veulent que l'étranger soit puni. En toute impunité, ils se fâchent mais se cachent, car ont juste peur de l'inconnu. Ha, et qu'ils le sachent, peur d'être reconnus fachos. Ce serait pas beau, cela s'enferme dans des discours de parano. Y'a des blagues qui sont sympas, des beurs qui sont sympas, mais qu'ils le veuillent ou pas, on peut pas accueillir tout le monde chez soi. Ils s'enferment dans leur peur insensée de leurs semblables, ça ils veulent le nier. Pour des différents humains de peau ou de religion, certains oublient qu'on est humain et se posent beaucoup trop de questions. On est tous unis au fond comme des frères et sœurs, fils d'une même planète, je suis pas net. Tu dis que je te fais peur, on t'enferme dans un tel climat orageux. T'arrives même plus à croire que le ciel puisse être bleu. Sur cette terre, on s'enferme, c'est l'enfer. On s'enterre. Sur cette terre, on s'enferme, c'est l'enfer. On s'enterre, on s'enterre. Deuxième extrait ce soir en live avec Agnès et K.A. Pitch Up, avec le morceau Je m'enferme, à retrouver sur le prochain projet. On est déjà parti pour le troisième morceau. On continue le même. Le morceau n'est pas fini. Ok, ok. Je t'invite à visiter plusieurs types d'enfermement. Je veux que de tes propres yeux tu te rendes compte. C'est étonnant, les similitudes si probantes, si émouvantes, qui nous rassemblent, nous prouvent qu'on se ressemble, nous transcendent, qui parfois font flipper ou qui vont peut-être te déranger, qui sont nos défauts, à la fois nos qualités. Si, si, tu verras qu'on est tous comme ça et que l'ennemi, c'est pas celui que tu crois. On peut s'unir contre lui. Ces petits malins fins, c'est ce qu'ils croient. Ils n'entendent même pas que leur peuple est aux abois.
Ouais, il le voit et ça, on reste là. Alors dis-moi, tu te libères ou pas? Pas, 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 pas. Tu te libères ou quoi? Quoi, 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 quoi? Tu te libères ou pas? Pas, 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 pas. Oh, yeah. Sur cette bien sur la fin du deuxième extrait. Ça y est. Et okay. Oui, tu vois, c'est ça. C'est le morceau à suspense. On prend notre temps. On se fait un troisième morceau. Et avant de se quitter, parce qu'on en a déjà débordé pas mal sur l'horaire conventionnel. Toujours en compagnie de Irie Jazz, troisième et dernier extrait ce soir en live. Merci. Chaque chacal peut cacher un fait. Chaud, mais attention à ne pas être plus fâché que c'est fâcheux. La tension est palpable face à ce fléau de vagues bleues. En apnée, je préfère faire fi de leur facétie et amalgame. Ils tiennent à entretenir leur vieille flamme infâme, fascinant les et ça passe crème. Sauf que lorsqu'on lance une pierre, c'est d'abord à soi-même. Bloc identitaire, ni mais ne nous dis pas de nous taire. Sincèrement blasant ta crise d'identité matière, surtout au nom d'un Occident peroxydé, pour pas dire périmé. Certains seraient stimés. Pardon, il paraît déter qu'il serait prêt à tout, même à tuer à tort et à travers. Alors pourquoi donc s'étonner que des antifas soient fin prêts à défendre ce qui est à protéger? N'attends pas de les pleurer. La vraie menace, elle vient d'en haut, de ces rois de pacotille et des gueux d'égo qui sèment la haine, la confusion, le chaos entre des peuples à la base dans le même bateau. Oh, la vérité vibre encore plus haut, elle réside dans le soleil, la terre et l'eau. Si on les défend de cette bande de salauds, amoureux du rapport de force et doublés d'escrocs. Déranjo, le faf est nostalgique. Quand les yeux écarquillés, il explique et ça pique. Qu'il en fait tout un plat pour que tout un tas abdique. Par peur d'être envahi, c'est bien qu'il est en panique. Similaire à un ignorant plein de trous, il passe à côté de sa vie, juste à côté de ses couillons de petit fasciste. Je te le dis, tu n'as pas de face, y'en a qui sont, qui font, qui n'ont peur de se mouiller, ni de la casse.
les menaces. Elle vient d'en haut, de ces rois de pacotille et des gueux d'égo qui sèment la haine, la confusion, le chaos entre des peuples à la base dans le même bateau. Oh, la vérité vibre encore plus haut. Dedans le soleil, la terre et l'eau. Si on les défend de cette bande de salauds, amoureux du rapport de force et doublé d'escrocs. Le groupe Airy Jazz avec la chanteuse Pitch Up. Alors, tranquillement, le nouveau projet. En attendant, vous pouvez vous mettre sous la dent le 5 titres avec Louis, Jule et Pitch Up et les Sagittarians pour le morceau Busy Dreams. Le tout avec en prélude Into the Dub, la version dub pour ouvrir ce nouvel opus de Airy Jazz. Disponible en téléchargement légal et au gré des rencontres, vous trouverez en physique avec le groupe et en plus l'édition vinyle que monsieur Karl tient ça de main de maître. Non, je te disais juste ça. Hein. C'est un cadeau pour Party Time, ce vinyle. Ah bah c'est gentil. Ah bah. Voilà, big up. Là, les refaites entre sa sculpture, les disques, la BD. Chica, elle est contente, elle a fait sa journée, elle a fait son mois. Voilà. En tout cas, merci, bon projet, bon courage à vous pour le reste. Pour la suite des projets. Et bon retour à Montpellier. Yes. Et big up à tout le monde là-bas. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci. Carrément, je profite pour faire une petite dédicace à mes colocs, à Noé, à Joseph et à Margot, ma chérie. Ça va te faire 20 euros en plus. Hein. Merci en tout cas à Airy Jazz et à retrouver très très bientôt. Vous allez sur les pages de réseaux sociaux et vous vous renseignez pour les prochaines dates qui arrivent. Il y a des dates qui arrivent du côté de Montpellier notamment et d'autres encore. Oui, Judah. Oui, bah prends le micro alors. Si c'est pour dire une connerie, prends le micro. Voilà, jazz, ça fait message. Voilà. Merci, maître Judaro Capello. Merci beaucoup. On finit l'émission tranquille avec Chica et Mathia. Il reste plein de tunes à jouer, plein de sélections à jouer, à découvrir, des inédits, des exclusivités, albums, singles, compilations et One Redeem. Merci en tout cas aux invités de ce soir qui étaient Mix Pliff, Straight from Belgium, et le groupe Airy Jazz qui nous vient de Montpellier, de la région, et du Gabon. Et donc voilà, retrouvez leur projet. En tout cas, vous allez sur la toile et vous cherchez soit Atomic Spliff et Airy Jazz. Et faites-vous plaisir et voilà, soutenez les artistes locaux, les producteurs locaux, les musiciens locaux, les chanteurs locaux et vos radios.
Nous, on continue tranquillement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma part et celle de Judas la semaine prochaine pour deux prochaines aventures. On vous laisse tranquillement avec Chika et Mathia pour la fin de l'émission en sélection. One love à tous les massives. À très bientôt. This one's for all the snakes. When the grass is cut, the snakes will be revealed. Listen, 'cause them a moose snakey, watching all your moves, asking loads of questions, covering the clues. Them moose snakey, waiting for the time when they know I'm not open. They can take what's mine. Them moose snakey, say that they're your friend, but they're slippering about when you're away from the ends. Them moose snakey. Plotting all their plans, I can count my true friends on only one of my hands. It was a Friday evening. This one's for all the snakes. When the grass is cut, the snakes will be revealed. Listen, 'cause them a moose snakey, watching all your moves, asking loads of questions, covering the clues. Them moose snakey, waiting for the time when they know I'm not. Quatrième épisode. What's mine? Them moose snakey. Say that in the box station, Monsieur Charlie P. Avec un spécial big up pour l'assist Alizou bien connecté. Moose snakey, plotting all their plans. I call my true friends on only one of my hands. It was a Friday evening. Iman was there on the road. Me just a touchdown in a Glasgow to Bagwan do a show. Alright, but they let me jump. Me say little did I know the snakes had been watching me go. And now it was safe to go on and break in on me home. Alright, they may kick off me back door. They broken glass all over the back porch. Don't know why these idiots go and do this for. Oh, them a go upstairs and take me herb out to the top drawer. Oh, it was a snake and him go on moving snakey, watching all your moves, asking loads of questions, gathering the clues. Them moves snakey, waiting for the time when they know I'm not home and they can take what's mine. What's mine? Lord, whoa. I'm a Mr. P to the listeners. Quack. Me tell you my life. It's a go mash up my mind. Lord, whoa, Lord. This one's straight from the heart. Party time. I'm a Mr. P to the listeners. Charlie P again and again. Me tell you my life. It's a go mash up my mind. Whoa, my life. It's a go mash up my mind, yeah. But my life made me live right and give me pride, yeah. 'Cause my life, it's a go mash up my mind, whoa. See, I remember the day when my mom picked me up from school. I could see in her eyes that something went right. She told me, son, mommy isn't very well, but I will be alright. Then broke down and cried. I was only young, I didn't really understand what had happened in her life. I didn't realize she just got rid of it. It come, got rid of it, it come back. She was very full of fight, and this gives me pride. She had the same disease that licked down Bob Marley. And at the age of 50, my mother was no longer with me. When my mother laid to rest, I see a different side to me. And I will never be the same, but still me have to live clean life. It's a go mash up my mind. Boy, my life. It's a go mash up my mind. Live right and give me pride, oh, 'cause my life, it's a go mash up my mind. Cause I'm a traveler, traveler, yes I'm a traveler, traveler, Lord, to all the international, 'cause I'm a traveler.
tears in Adidas. I was only 15, but conscious lyrics me had to blast. Now I'm 19, 20, man, the time it goes so fast. But I won't go dead, and I'll tell you a bit about my past. I've been singing since I was 5, when I was 7 in Adidas. We never knew that I would be in the international class. Cause I'm a traveler, traveling all across the border. The original crew like party time, a passing through. Now I'm on Charlie P. Say you are the champion. Run selection. 2016 party time, them getting hotter. Nobody up, said them a turn drug shatter. Them a sell drugs to the people and I see what the matter. Them not talk about food when them got Big Macca. Them not talk about football when them go and take shatter. Them a bus shot in the streets and them bus in the blocker. See me, say hard life, we know about that. Yes, we know about from the bottom of the butter. We know how we feel to lose your mother and your brother. Well, say coming in now, say with the beers and fire. You know say party time, them never go and retire. We have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. Want to tear them in at the dance where the vibes them higher. Now, say party time, yes you know them pan flyer. Cause we the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in a the chalwa fire. Yes, say yes, me take a drop. Aya. Yes, party time. It is. Cause them a want fi be gangster. Party time, no one no more. No, them a want fi be gangsters. Tell me what they fighting for. Party time, list this, yeah. Say as a youth, we had it hard. As a youth, me had it tough. As a youth, me not have much, but me have me family's love. Some youth not even have that. Even know them dad. Some youth not even know them mother. We tell you now it's hard. Some youth then go and join the gang and them a feel like big man. Get a youth around the world from Japan to Finland. Some youth have AK and some big machine gun. Some youth not even want to make it to the age of 21. Say, some youth not even make it to the age of 15. As a youth say I was told you have to live your life clean. Always treat the people how you want to be treat. Party time did, and now them here mashing up the scene. Oh. Cause them a want to be gangsters. What they fighting for? Cause them a want to be gangsters. Party time no want no war. We tell them, say with the rhythm, me running, me running, me running, me running, me never stop. And we never stop until we reach up to the top. Man, them a string of a sound long before.
a partner. Always stay clean and righteous, that is what I was told me say. Don't be so serious, go on have a laugh. No say party time, say permanent like a marker. Nowadays it's like sound systems are always in the war. But then talk like they're walking with your love in their heart. On se met bien avec une bonne grosse session Charlie P, oh yes, no. Le chouchou de Party Time, oh. Surtout le chouchou de Sista Chica, oh. Pandemix. Blackstabbers, Monsieur Charlie P sur les ondes du Party Time, mets-toi bien, mets-toi cool. Charlie P et le Digital Conscious Sounds. On continue en mode dub digital. On vous fait découvrir le tout nouvel album de Soumti. L'album s'appelle Ode to a Carrot. Sortie mondiale le 19 mai 2017. Matchbox full of weed, puff it up and see. Clear smoke and see the real me. Who would it be? Three bags for miss, sucking on this spliff. Real tight in my piss, another roach kiss. Hear the ashes, I get on the ashes. Football dream, just don't care about the match fix. Fresh cream, some tea alongside birds. Some with them black and bricks. Tears to the sea, I don't want no cheating bit. And do ya? I wanna know, masters pulling strings, running the show.
matchbox full of weed. L'assistant qu'on appelle Sumti Longside Beds. Matchbox full of weed and a bring of roses. And do you really, really wanna know? Masters pulling strings, running the show. Pop and blow, round and round and round we go. Too many cowboys and howdy ho. Sista Lizou. This one called Light It. Roll it, poke it, light it, smoke it, crumble, strumble, pass it, broke it, roll some funk, some of it, the phone roam, suck it, fuck it, the nail to get stoned. Cause I need to get my suitcase and at the sunset. Because I'm going to Amsterdam with in the Netherlands, smoking till the day that I'm dead. Skinning up my Philly as I get off the plane. No making me feel silly like I'm dead again. Take a puff of something in your feet and your brain. A carrot shaped joint, come shine or rain. Come again and pass the Roche clip. I'll look it up and smoke it up over. Yo, keeping it calm and it did after it. With your red in the sky and your shoes and shit. But do you care when you're smoking a rare? With your brain flying high on the road and nowhere. Put it in your pipe, boy, yo, don't be scared. The grass is always greener over there. Everybody roll it, poke it. Sorti CD, digital et double vinyle le 19 mai 2017. Nouvel album Ode to a Carrot. Original Sumti alongside Beds. This is the Ganja Leaf alongside Money Digital et Alex de Flash It. Flash It Records, big up to the max. Ganja Leaf. Sit by a Ganja Leaf who grabbed up like a thief. Told her mama she should pop to see her to see to believe. I was sit by a Ganja Leaf that tasted very sweet. And then put a number on. Let me see what I believe. Sit by a Ganja Leaf who grabbed up like a thief. Brought me in my big chanty and rolled me in some sticky geek. Followed me onto the veranda, we popped in the coolest breeze. This is good, I said, this is the best, as he sucked the J and me. I got a job for you, he said, it's worth enough to retire on. All you need to do is get the suitcase all the way to Ireland. It's got diamonds stolen from a planet in the Orion. It's worth 10 million and a golden case with a violin. Saved by a ganja leaf, grabbed her like a thief. Told me I'm a G, should pop to see a doozy to believe. Saved by a ganja leaf, that tasted very sweet. Can't you put an arm around me, made me see what I believe. Ganja Leaf original Sumti alongside Birds. Et là c'était production Manu Digital et Flash It Records avec l'homme Alex. On enchaîne sur le troisième extrait, Booma Shiva. Les gars, pas tous les gens encore bien connectés. Partytime.fr, ça se passe comme ça tous les dimanches. This is the after show. Stop.
Original Boom Shiva, extrait de tout nouvel album de Soomty, Soomty and Bugs. L'album s'appelle Ode to a Carrot et sortira le 19 mai. Petite pré-écoute en avant-première sur Party Time. Le morceau Say Ganja. Turn it up and you never wanna beat her. If you wanna listen, cause you know that chica. Yeah, say chica, chica. Say chica. Say chica, chica. Say chica, yeah, yeah. Ganja, some they call it black rain. Head for the northern lights, we'll meet above a blaze. Super, uber, duper, knock back some double A's. Tank diving, pulpa, beach, and coffee break. Gotta eat reefer, chronic, sticky, icky, wacky, weed. Grass, motor, but gun, doctor, prestige. Treat the sense of Amelia and gangsta leave. Homegrown, won't you get it for me after what you leave? We got weed, weed, weed. Know the tough and pacifist. You got what I feel and need. Gonna miss some tea and some peas and weed. With a you got what I really need. Don't miss some peers, some easy weed. I leave you to go to all your places. Away from what's police banging down your double ears. Like your boss behind the stars and fear to be. Don't just get it from anybody, get it from me. I make it go bound, throwing in the river. Like a fish in the blue and I never seen the bar. Make it clap, I make your body quiver, ease and kill your liver. But for you, Lily, I drink up. Become a winner, weed, weed, weed. Hold it up and pass it, please. You got what I feel and need. Only with some tea and some peas and weed. I got weed, weed, weed. Hold that tough and pass it, please. You got what I really need. Only with some tea and some peas and weed. Yeah, we the buffers of that good stuff. Never no fluff, never rough stuff. Only ever queen from the tip top. Gotta get the nothing together, just a puff. Rip it up and make it up and make up best stuff. Never sound. Yeah, with the old plan, spread the flow with the move and put to make the reggae booty run. Loud with the old man, the rapping maybe men. Ready to pull the mic to unfold from each end. Got a weed, weed, weed. Hold it tough and pass it, please. You got what I feel and need. Rolling with some tea and some easy weed. I got weed, weed, weed. Hold it tough and pass it, please. You got what I feel. Rien pour le on revient sur son album d'avant, Soomty Again. Kindly people being driven into places where the sirens come without weapons to silence. First rescued by the mob.
Dédicacé à tous les politiques man. Dans tous les cas, on se fait couillonner. My Selecta, pull it up and come again. Celle-là est spécialement dédicacée à l'homme qu'on appelle Macron et à la dame qu'on appelle Le Pen. Dédicacé aussi à tout le gouvernement en place. Tout celui, tout le gouvernement à venir. Politic man. Vous avez bien kiffé l'émission en tout cas. Minuit 58, on arrive à la fin, tout en douceur. Petit set Charlie P, set Soumti pour fêter son nouvel album Ode to a Carrot qui sortira le 19 mai 2017 en CD, en digital et en double vinyle. On va vous souhaiter une bonne nuit. On vous rappelle que tous les jours presque il y a des émissions sur Party Time, donc connectez-vous bien à partytime.fr. Tous les soirs, émission live and direct. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 22h, en vivant en direct sur 106.3 FM. On va dernier Soumti calmement et proprement, et on vous souhaite une bonne nuit à tous. Like a night light love. Baby, you and me will take it to the top.